Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Myriam. Ça va, tout le monde a le son? Eh oui, ça fait un moment. Donc, je suis ravie de vous retrouver moi aussi. Donc, si vous voulez, vous pouvez remettre vos micros, hein, y a pas de problème. En principe, c'est vous qui réactivez. Ou je vous réactive moi, comme vous voulez. C'est bon. On est bon. Donc, le son, c'est parfait. C'est déjà ça. Et donc, pour les gens qui sont au courant de mes aventures la dernière fois, cette fois-ci, j'ai déjà lancé l'enregistrement. Comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Donc, on attend encore un petit peu, puisque j'ai reçu plusieurs demandes, donc j'attends un petit peu que les gens arrivent. Ça doit pas être... Oui, il est même pas tout à fait 6 heures, donc ça... Alors, je suis désolée pour le bruit de la rue, mais comme il fait entre 26 et 27 dans la pièce, bonsoir. Donc, j'espère que voilà, hein, ça me paraît compliqué de faire sa fenêtre fermée. Donc, voilà, j'espère que le bruit de la rue ne nous gênera pas trop. J'ai mis le son au maximum. Et Sylvie, rassurez-vous, j'ai commencé à enregistrer, même avant même la conférence. Comme ça, je serai sûre de ne pas oublier. Merci. C'est grâce à vous la dernière fois que j'ai pu le reconstituer à peu près comme il avait été fait, mais tant qu'à faire, l'idéal, c'est ça. On n'entend pas le bruit de la rue, alors c'est super. D'accord, de rien, merci. Ah, non, non, c'est bien, si on n'entend pas le bruit de la rue, c'est bon. Non, c'est une rue étroite, mais enfin bon, quand quelqu'un passe à fond la caisse, on peut l'entendre. Ce n'est pas une quatre voies, c'est déjà ça. Donc, c'est notre dernière du printemps, on va dire. Hein. Donc, quand on poursuit l'aventure, on se reverra à l'automne, donc probablement en octobre, hein, parce que bon, septembre, c'est encore un peu, ça ne reprend pas exactement tout à fond. Donc, et on sera donc sur la fin de cette tournée-là, hein, puisque vous savez qu'elle continue jusqu'au 22 novembre. Donc, on sera encore en plein dedans. Puis après, on aura la pause entre les deux, puisque l'autre reprend, je crois que c'est le 7 mars. Donc, on n'aura pas longtemps à attendre entre le 22 novembre et le 7 mars pour découvrir la tournée suivante. Donc après, on aura bien entendu déjà un sujet tout trouvé, la setlist de la prochaine tournée. Mais là, donc voilà, j'ai un petit nombre de sujets en réserve. Donc j'avais promis aussi de réfléchir à la musique classique. J'aimerais aussi qu'on s'intéresse un petit peu au dialogue avec Tristan Corbière. Ça me paraissait intéressant. Donc un poète maudit. J'aurais voulu aussi, donc là aujourd'hui on va pas mal parler de vie de bord, on peut revenir dessus aussi,
Enfin voilà, et puis si vous avez d'autres idées, hein, ça sera toujours pareil, hein, très 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 volontiers. Bonsoir Zara. On va dire qu'on attend encore un, puisque c'est à peine deux. Il y a un petit bug là. Ça remarche, Myriam, c'est bon? Ça y est, ça remarche. Bon, c'est bon. Non, moi, je n'ai pas eu d'avertissement que ma connexion n'était pas belle. Donc, voilà. Pour l'instant, ça a l'air de marcher. Coucou, Zara. Ça va, on entend. Donc, c'est super. Coucou, Odile. Bonsoir. Ravie de te retrouver. Oui, bah, écoute. Là, aujourd'hui, j'ai retrouvé le lien. Et voilà. J'étais disponible, donc. Ah, mais c'est génial. Et moi, je n'ai pas oublié d'enregistrer, parce que l'autre fois, j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Donc là, j'y ai pensé, ce qui me permettra de... Parce que l'autre fois, heureusement que Sylvie là, avait pris des notes, parce que comme ça, le lendemain, parce que je savais plus dans... enfin, je savais ce que j'avais dit, mais je ne savais plus dans quel ordre, ça n'avait plus... on me disait, ça n'avait plus avoir aucune allure. Elle avait... voilà, il y avait bien le schéma, donc j'ai pu le refaire, mais toute seule, c'était un peu triste, quoi. Donc voilà, j'aime autant qu'elle puisse bien avoir lieu comme ça. Oui, donc comme je disais, c'est notre dernière de ce printemps. Hein, puis on reprendra nos aventures à l'automne avec la fin de la tournée. Hein. Donc voilà, les gens qui sont intéressés par le Casino de Paris le 22 novembre, si vous allez faire un tour à Paris, il y a plein de concerts en octobre, les week-ends, en région parisienne. Donc, si vous voulez que j'envoie les dates et si, voilà, si vous voulez regarder, je crois que je dois avoir d'ailleurs encore des places à offrir, enfin qui sont déjà là, donc si vous... Si vous avez envie, n'hésitez pas. Voilà. Ça sera bien. Alors, il y a une dame qui m'a écrit à 6h-20 pour me demander le lien. Donc, je pense qu'elle va arriver aussi. Et puis, de toute façon, après, on va commencer. Moi, de toute façon, je peux toujours donner la main en cours de route. Hein, donc, on va pouvoir se lancer. Donc voilà, donc celle de ce soir, donc ben, l'idée m'est venue, enfin m'a été offerte, c'est pour ça que c'est bien ce métier, parce qu'on rencontre des gens intéressants, qui ont des projets intéressants, et donc ça permet justement de, voilà, ben, d'enrichir sa propre démarche, sa propre réflexion. Et donc là, donc c'est un... Alors, il ne sera pas là ce soir, Xavier, parce que malheureusement, il était pris. Mais donc, c'est un monsieur qui est plasticien et qui aimerait construire un projet de thèse, donc à la fois dans sa pratique artistique et puis donc une réflexion donc sur le mouvement, de façon générale. Bon. Et en lisant son projet, ben, je me suis dit d'un coup, c'était extrêmement intéressant comme expérience. Chaque fois qu'il avait un concept, je me dis, tiens, mais ça, chez TFN, ça donne ça, ça donne ça. Donc, d'un coup, ça s'est, comment dire, construit pratiquement tout seul en écoutant donc Xavier exposer son projet. Donc, je me suis dit, ben voilà, ça sera un beau sujet. Je trouve qu'il faut accueillir les cadeaux comme ça. Ce n'était pas prévu, ça arrive. Et donc, ça fait un beau sujet pour notre dernière rencontre donc, de ce printemps 2022. Donc, on va essayer, enfin, comme j'ai essayé de l'esquisser, du moins dans l'intitulé de la conférence, hein. Donc on va voir un petit peu voilà, le mouvement chez TFN, qui bouge, comment bouge-t-on, est-ce que des fois on ne bouge pas, dans quel sens est-ce qu'on bouge, est-ce que ce mouvement a des implications, des origines, des ancrages référentiels chez l'un, chez l'autre. Et donc, on va essayer de faire une petite promenade ce soir donc dans le mouvement hein, du corpus de TFN. Alors TFN, quand il commence un petit peu à donner une définition hein, de ce que peut être, bon, vous savez que dans les chansons, en général, hein, c'est quelqu'un qui dit « je ». Bon, la question ne nous intéresse pas hein, de savoir si la personne qui dit « je » dans les textes est l'auteur. Hein, vous savez que là, ce sont des instances différentes. Mais disons que la figure qui dit « je » dans les textes, se présente donc comme un bipède à station verticale. Et là, moi, ça m'a paru intéressant de partir de là, c'est-à-dire qu'avant de bouger, ben, on commence par définir sa position.
Donc là, c'est le bipède à station verticale qui précise toujours faut se tenir debout. Alors, le bipède à station verticale, cette définition, elle a une origine, disons, philosophique, comment dire, bien établie. Donc, il faut remonter jusqu'à Aristote, donc le philosophe, qui, dans son traité donc, des parties des animaux, cherche à définir, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, donc plus de 2000 ans nous séparent de ce texte, mais il est toujours intéressant donc, de retourner y jeter un coup d'œil. Donc y a, on n'est pas obligé hein, de se dire je vais le lire en grec, il y a des traductions complètes en français. Alors si on n'a pas peur des livres qui pèsent lourd, hein, vous avez des traductions en un seul gros volume, aussi bien d'Aristote que de Platon, et comme ça on peut l'œuvre intégrale, donc ça permet de le lire en français. Et puis bon, après, si on veut aller voir tel ou tel mot grec, parce que bon, pour Stéphane, des fois, c'est intéressant aussi ce qu'il va utiliser. Mais disons qu'on peut déjà s'en faire une idée. Hein, ça n'impose pas donc, de le lire en grec. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit Aristote? Il dit, voilà, l'être humain, si je veux le définir par rapport aux animaux, donc ben, je constate qu'il tient sur ses deux pieds. Il est debout, il a cette station verticale. Et dit-il, c'est intéressant, pourquoi? Parce que, donc il considère, Aristote a une approche, nous disons c'est un philosophe, mais lui, c'est aussi le père fondateur, on va dire, de la biologie. Hein. Platon réfléchit plus sur les idées, sur les abstractions. Aristote, il part de l'observation de la réalité, et donc il considère que oui, l'être humain, c'est un animal parmi les autres, mais un animal donc qui a cette caractéristique spécifique, il tient debout. Et donc, il va réfléchir en se disant, mais finalement, qu'est-ce que ça entraîne? Bon, d'abord, unicité de l'être humain. Et puis, donc, ce privilège, dit-il, c'est le seul être donc, qui a la tête exactement du fait qu'il est debout, il est droit. Et il a la tête, donc, on va dire, dans l'axe du cosmos. Donc, c'est un privilège cosmique. L'homme s'intègre dans l'ordre cosmique du fait que sa tête est en droite. Il peut regarder le ciel, les autres animaux regardent la terre. Les quadrupèdes, s'ils veulent relever la tête, ils sont obligés de forcer un peu. Nous, on regarde droit devant nous, on peut regarder en l'air, on est droit, donc cela fonde une dignité de l'être humain, et puis cela fonde donc une intégration dans le cosmos, c'est-à-dire que l'être humain est aussi en rapport donc avec les forces qui régissent le cosmos, et il est également en mesure de les comprendre, de réfléchir, de reconnaître ces lois qui régissent le cosmos. Donc, parti de là, Stéphane va préciser en disant « toujours faut se tenir debout ». Alors là, ça devient un petit peu, Aristote nous le dit de façon assez, emphatique, laudative, c'est un privilège de l'être humain. Stéphane relativise un peu en disant « il faut se tenir debout », ce qui sous-entend un effort, et qu'il explicite en disant « parfois, j'ai la nostalgie de la gadoue ». C'est-à-dire que l'être humain, donc il reprend un petit peu la réflexion d'Aristote, bon, on est sorti de quelque chose qui est plus bas. Si on est dans la gadoue, donc on est dans la boue, donc on va ramper. Bon, on peut en avoir la nostalgie, c'est-à-dire que des fois, on préférait régresser plutôt que progresser, aller en avant, s'élever. Et donc, ça va être, c'est pour ça que je suis partie de là. En fait, les deux axes du mouvement, donc, on a la possibilité d'être debout. Attention, il ne faut pas rester statique sans arrêt. On verra que, disons, tout ce qui est totalement statique, c'est-à-dire les statues, c'est aussi problématique parce que là, il y a stagnation totale. Mais si on veut bouger, donc on peut, on devrait, en se tenant debout, essayer de s'élever, hein, d'aller plus haut, plus loin, ou bien, mais on peut aussi, contre son gré ou bien quelque part aspiré par une volonté de régression, on peut avoir cette nostalgie de la gadoue, sachant aussi que, puisque là, chez Tiefen, on sait hein, que le Eros über alles, donc les, disons que c'est cette énergie vitale qui est celle de l'Eros qui est partout, la gadoue, il ne faut pas oublier aussi qu'un de ses sens donc, plus anciens, hein, donc c'est la femme, particulièrement aussi la femme de mauvaise vie, c'est-à-dire l'attraction d'une sexualité, on va dire,
dire, en mode primitif, primaire. Donc, parfois, on a cette nostalgie. Nostalgie, on se rappelle, on en avait parlé, c'est l'histoire d'Ulysse, c'est-à-dire le mal du pays. Donc, quelque part, on est sorti d'un univers familier, on se sentait à l'aise, mais qui n'était pas forcément reluisant. Et donc, notre statut d'être humain exige de nous que nous fassions des efforts. Le problème étant que des fois, c'est un petit peu compliqué parce que dès le début, tel que se présente notre ami Bipède, il nous dit qu'il arrive avec son parachute en torche et ma gueule de caterpillar. Paraît que je viens d'une catastrophe, mais les dieux ne sont pas très bavards. C'est-à-dire que l'être humain qui est censé toujours se tenir debout, qui est censé regarder, s'intégrer dans le cosmos. Alors, le dernier mot du texte sera d'ailleurs, donc le texte s'appelle « Bipède à station verticale », et le dernier mot sera « Je suis fier d'être un con cosmique ». Donc, il a retenu l'idée d'Aristote avec cette petite nuance que ce n'est pas l'être humain, le sommet de la nature, le sommet de l'évolution, mais c'est aussi un con. Bon, aussi au sens sexuel, mais aussi, voilà, on est un con. C'est-à-dire que l'être humain, quelque part aussi, comme disait déjà Juvénal donc dans la satire latine, en disant que l'être humain, souvent, c'est Azelus bipes, c'est-à-dire un âne à deux pieds. Bon. Donc, voilà, on a deux pieds, mais ça ne garantit pas forcément qu'on va avoir toute la dignité qu'Aristote nous promet, donc si on est un être humain. Et en fait, il se trouve que dès le début donc de l'évolution, tel qu'il nous dit, on a un parachute en torche, c'est-à-dire donc que voilà, on aurait tout ce qu'il nous faudrait pour nous prémunir des aléas de l'existence, mais en fait, si le parachute se met en torche, bien évidemment, on va tomber. Et si on a une gueule de caterpillar, alors là, ça devient bien évidemment plus complexe. C'est-à-dire que donc, le caterpillar, hein, tout le monde voit, donc c'est l'engin de chantier, pardon. Donc c'est la marque aussi, hein, donc, comme on dit le frigidaire pour le frigo, donc on dit un cat, le caterpillar. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir ce que signifie le mot quand on l'a choisi. Caterpillar, en fait, ça veut dire chenille, hein, comme on parle en français de chenille pour ces engins, donc qui n'ont effectivement non pas des pneus des roues, mais des chenilles. Et la chenille, c'est quoi? Si on a une gueule de caterpillar, ça veut dire en fait que l'être humain, parmi ses mouvements, il y a aussi un mouvement intérieur qui va être essentiel pour lui, ça va être le mouvement de l'évolution. La chenille, c'est, on peut dire, c'est une larve, c'est pas bio, c'est destiné à se transformer, hein, c'est destiné à s'emballer dans sa chrysalide, à en ressortir sous forme de papillon. Donc, si on a une gueule de caterpillar, on peut dire à la fois qu'on n'est pas bien beau, qu'on est raté, qu'on peut être aussi style un bulldozer qui va tout défoncer, on peut avoir des pulsions destructrices, bon, mais dedans, il y a la promesse d'autre chose. Un autre texte nous dit « Nous rêvons d'ascenseurs au bout d'un arc-en-ciel où nos cerveaux malades sortiraient du sommeil ». Donc, quelque part, il faudrait qu'on puisse monter. Bon, alors si on n'y arrive pas tout seul, on pourra éventuellement prendre l'ascenseur. Dans le tout premier album, on a déjà « J'arriverai par l'ascenseur de 22h43 ». Donc, on va avoir un mouvement, effectivement, qui va nous amener vers le haut. Bon. Si on n'y arrive pas, donc si notre parachute se met en torche, effectivement, on va tomber et… Quelque part, nous dit-il, ça c'est une généalogie, c'est quelque chose qui remonte à très loin, puisque paraît que je viens d'une catastrophe. La catastrophe en grec, c'est aussi la chute. C'est-à-dire qu'au début de l'histoire de l'être humain, il y a l'histoire d'une chute, d'un effondrement. On peut, si on le souhaite, hein, l'interpréter comme, par exemple, l'interprète les textes religieux au sens donc, de la chute de l'être humain qui, effectivement, mange donc, le fruit de l'arbre qu'il n'aurait pas dû manger et donc qui, à ce moment-là, est chassé du jardin d'Éden. Il peut y avoir aussi donc, une catastrophe beaucoup plus cosmique et sans avoir donc forcément hein, le lien direct avec les textes religieux, mais quelque part, donc, comme il nous dit, les dieux ne sont pas très bavards, donc on est confronté à cette énigme-là, mais on sait que quelque part, oui, on est un bipède à station verticale, donc il va falloir faire honneur à ça, malgré toutes les difficultés que cela peut présenter, malgré toutes les nostalgies de régression. Un autre texte nous présente un petit peu toutes ces nostalgies, c'est l'obotomie Tommy Sporting Club qui nous dit frelons hurlant dans nos crânes, scorpions rampant dans le crash de nos âmes, serpents visqueux englués dans les squames de nos bourbeuses mémoires d'humanoïdes insanes. C'est-à-dire que dans notre tête, on a tout ça. On a toute cette évolution, puisque donc, Aristote, vu sa place dans le temps, ne discute pas encore d'évolution, mais il a cette vision tout à fait biologique de la nature. Donc en nous, on a tout ça.
Bon. Donc, nos âmes ont déjà subi un crash, on a des frelons qui hurlent, on a des scorpions, on a les serpents, on a tout ça en nous, hein, c'est-à-dire qu'on récapitule en gros en nous toute l'histoire de l'évolution. Bon, si on arrive à en sortir, comme dit Ped, à station verticale, on arrivera, si on a de la chance, donc à bouger dans le bon sens. Le texte du bipède à station verticale se finit, donc j'ai parlé du con cosmique, mais il dit donc câblé sur X moins 0 à l'heure des infos galactiques, enfin, peut-être dans la nuit, je fouille les no man's land comme un hibou décérébré, cherchant le message d'un atlante ou la formule d'un initié. Donc l'atlante, c'est la même image, c'est-à-dire que cela vient du mythe du géant Atlas qui porte effectivement l'univers sur ses épaules. Il y a un poème de Heine qui dit justement « Moi, malheureux Atlas, hein, je suis obligée de porter le monde entier sur mes épaules et je porte ce qui est insupportable et donc j'en peux plus. » Et donc Atlas accablé sous le poids de cet univers qu'il doit porter. Mais l'Atlante, c'est aussi justement celui qui est capable de porter cela. Et donc étant aussi, on a à la fois l'Atlas et on a les Atlantes qui habitaient l'Atlantide, donc le continent immergé, je crois qu'on avait parlé dans une conférence précédente, la douce Atlantide. Donc, on a l'Atlas qui porte l'univers sur ses épaules et on a l'Atlante qui, comme nous dit un autre texte, où la femme vient d'un continent perdu, donc il est dépositaire d'une sagesse ancestrale. Les habitants de l'Atlantide étaient immortels. Bon. Est-ce qu'on a encore ça avec nous ? Un autre texte nous dit que parfois, donc, notamment dans l'amour, quand on est in love, on peut dire à la femme « je te veux dans l'or azur de mes envolées d'Atlante ». Donc parfois on peut s'envoler et donc avoir, sachant que c'est toujours la même idée, l'Atlantide en principe elle est allée au fond, mais donc on va pouvoir s'élever, on va pouvoir supporter, on va aller au-dessus. Donc on va chercher ça, la formule d'un initié, mais en fait du moment que les dieux ne sont pas bavards, le statut du bipède à station verticale, c'est d'être en fait toujours confronté à cette situation d'énigme, donc il va partir dans tous les sens. La seule chose qu'on peut dire à partir de ce texte, déjà pour nous orienter dans le mouvement, comment dire, on ne peut pas dire que son parcours soit d'une clarté énorme. La nuit, il fouille, il cherche de tous les côtés. On aura d'autres textes où il rôde. Rôder, donc, ça vient étymologiquement d'ailleurs du latin rotare, ça veut dire qu'il tourne en rond. C'est-à-dire qu'une direction bien claire comme celle qu'Aristote nous assigne, on peut l'avoir au stade des désidératas, hein, peut-être des obligations, hein, nos cerveaux malades pourraient sortir du sommeil, mais pour ça, il faut qu'on trouve l'ascenseur, il faut que notre caterpillar, la chenille que nous sommes, arrive à se transformer en papillon. Le papillon, on rappelle aussi que le mot grec pour ça, c'est la psyché, c'est-à-dire qu'on va se retrouver effectivement doué d'une âme, d'une faculté de spiritualisation. Bon, si on arrive à cet éveil, nos cerveaux pourraient sortir du sommeil. Notre texte nous dit, devons-nous croire à un réveil ? Là aussi, on peut, voilà, ce qu'on peut voir, c'est déjà une direction du mouvement qu'on serait censé prendre, mais avoir la certitude qu'on va effectivement toujours rester debout, l'être humain, donc à la fin, donc il fouille, il cherche, hein, le message de l'implante, la formule d'un initié. Peut-être que d'autres pourraient nous aider. Hein. C'est un peu ce que nous dit Platon aussi, hein, dans le dialogue, les dialogues inachevés, le Timée et le Critias, où on parle de l'Atlantide. Il nous dit qu'effectivement, il reste des traces de cette sagesse, mais voilà, au niveau de traces, l'Atlantide a disparu, mais on sait qu'ils avaient tout accès à toutes ces connaissances que l'homme normal n'a pas. Et donc, il nous dit, je mets mon badge Ecce Homo et je suis fier d'être un con cosmique. Alors, Ecce Homo, c'est voici l'homme, et là, on change de référentiel. Alors, attention, Homo en latin, hein, c'est l'homme au sens de l'être humain, c'est pas l'homme au sens l'homme par rapport à la femme. Donc, le homo, c'est l'être humain. C'est la définition aussi, par exemple, de l'humanisme. Hein. Quand Terence, il y a plus de 2000 ans, hein, donc le poète latin, nous donne sa définition de l'humanisme en disant « je suis un être humain, hein, homo sum, et je pense que rien de ce qui est humain ne m'est étranger hein, ». Donc, c'est homo à ce sens-là. Bon. Après, le Ecce Homo, c'est une citation de la Bible. C'est au moment donc, de la passion de Jésus, quand Pilate donc, le fait souhaiter, le montre au peuple en disant Ecce Homo, voici l'homme. Hein, donc, on dit qu'un visage d'Ecce Homo, c'est quelqu'un qui a été, on va dire, maltraité. Bon. Donc, on mélange
ou l'autre, comme on veut. Tiefen nous dit, à notre époque, ça devient un badge. Bon, c'est-à-dire que voilà, on s'identifie grâce à son badge, hein, comme on peut tous le faire dans diverses circonstances de notre vie. Donc, on a celui-là, bon, le ecce homo, donc au sens de l'humanisme, au sens de l'être humain injustement donc maltraité. Et puis donc, on est fier d'être un con cosmique parce que quelque part, on est quand même, comment dire notre texte, coincé dans cette vieille histoire, donc on va être obligé de faire avec, et donc on va être obligé de bouger, parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que si on reste comme ça immobile, on va devenir une statue, et donc les statues posent un problème, parce que justement, la statue est privée en fait de toute possibilité d'évolution. On retrouve par exemple dans le Droid Song, donc je viendrai troubler de mon cri distordu les chants d'espoir qui bavent aux lèvres des statues, c'est-à-dire que les statues c'est quelque chose d'immobile, bon, et donc si le bipède il est là plutôt pour apporter du mouvement hein, dans ce qui n'arrive plus à bouger. On avait vu donc dans le dernier album hein, dans la prière pour Baal HaZabab, on avait les cerveaux plastifiés sur des statues toltèques. Hein, c'est-à-dire ces statues colossales avec le cerveau déformé, c'est-à-dire que quelque part si la statue se développe trop, ben le cerveau lui ne va pas pouvoir justement sortir du sommeil et emprunter l'ascenseur, et quand il nous reste quelque chose, donc il nous restera ça au moins de romantique dans le temps des tachyons, quelques statues brisées sur fond de ruines gothiques. Donc les statues en fait sont là aussi pour être brisées hein. Voilà, au pied des temples usés, des statues délabrées, donc la statue, les marbres usés brisés des nécropoles, c'est-à-dire que tout ce qui on peut avoir cette idée, le mouvement il est absolument inhérent en fait à la façon dont les personnages se présentent dans le corpus de Tiefen, parce que s'ils s'arrêtent de bouger, ce sont des statues, c'est-à-dire qu'elles sont vouées à la destruction. Elles peuvent être le souvenir de ce qui a été avant, donc il nous restera ça au moins de romantique, hein, donc les statues brisées. Bon. Et puis, donc, quelques folles hurlant, roulant des quatre feuilles au terminal central des retours de cercueil. Donc là, les quatre feuilles, alors là, c'est un petit supplément, petite remarque en passant, pour voir à quel point la façon dont le verbe est traité, justement. En fait, ce qui est vraiment en mouvement dans les textes de Tiefen, ce que j'aimerais essayer de vous, de vous faire sentir toucher du doigt ce soir, c'est d'abord la langue, c'est d'abord les mots, c'est d'abord le verbe. Donc, il nous restera ça au moins de romantique. Donc, ce texte s'appelle « Le temps des tachyons ». C'est peut-être un petit peu intéressant, justement, à partir de ce vers, de revenir un petit peu sur la genèse de ce texte qui était un petit peu spécifique. C'est un texte de 2015 qui, ça arrive de temps en temps chez Tiefen, plutôt rarement, mais ça peut arriver. Quand on l'invite, en général, il accepte. Donc, c'était l'album de Grand Corps Malade qui s'appelle « Il nous restera ça ». Donc, il avait écrit à un certain nombre d'artistes en disant, voilà, le défi, c'est vous écrivez un texte, vous mettez ce que vous voulez, aucun thème imposé, mais il faudrait qu'il y ait dedans, il nous restera ça. Donc, le résultat chez Tiefen, c'est « Le temps des tachyons », qui est une réflexion aussi, c'est pour ça que dedans, il introduit la formule de la relativité d'Einstein, que tout le monde répète, comme on réciterait une prière en chœur à la messe. Et donc, lui, l'ami, il nous restera ça au moins de romantique, et donc il part sur l'évocation de ce qu'on appelle le romantique, c'est-à-dire donc l'enthousiasme pour les ruines, hein, quand le mouvement romantique se fonde en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, c'est d'abord donc le romantisme des ruines, hein, donc on s'enthousiasme, bon, donc sur ce qu'on appelle le gothique, et puis donc statue brisée sur fond de ruine gothique, juste là c'est bon, et puis donc on a donc cette idée, quelques folles hurlant, roulant des quatre feuilles au terminal central des retours de cercueil. Alors un fol, F-O-L, donc un fou, donc là on est dans le langage médiéval, et donc on a ce mouvement, alors là qui n'est plus du tout, donc si on est devenu fou, on a perdu, enfin c'est le cerveau malade, on n'est plus exactement dans le cadre du bipède à station verticale, donc qui est censé pouvoir régir sa vie, être maître de son intellect, être maître de ses différentes pulsions, bon le texte du bipède nous montre qu'il n'y est pas toujours, mais bon, en principe il y a disons, comment dire, un itinéraire qui est assez clair. Hein. Je rappellerai donc que l'album Fantôme de Tiefen, celui qui n'est jamais sorti, qui l'a sorti par petits bouts, s'appelle justement Itinéraire d'un naufragé, parce que ça serait trop simple, hein, s'il suffisait de se dire je suis sur mes deux pattes et ça va continuer. Donc, si on est un fol hurlant,
Donc là, bien entendu, c'est l'autre, le danger auquel peut être confronté donc, l'être humain. Donc, il tombe dans la folie. Hein, on a dans le dernier album, ce texte s'appelle « Vers la folie ». Et donc, le fou, le texte nous le montre, il perd la station verticale. Non seulement il hurle, c'est-à-dire qu'il perd le langage articulé, et dans son mouvement, donc, il va roulant des quatre feuilles. Alors là, justement, on peut se demander d'où vient cette expression, hein, parce qu'on pourrait penser qu'on retombe à quatre pattes plutôt que d'avoir nos deux pieds. Hein. On a un autre texte, on en avait déjà parlé, où il dit on joue les trapézistes de l'antimatière. Alors là, si on joue les trapézistes, on peut le voir au sens où on veut, hein. Soit le trapéziste, on a souvent chez lui le trapéziste, le funambule, c'est-à-dire celui qui défie les contraintes de la pesanteur. Donc, il a non seulement est un bipède, mais un bipède qui va presque arriver à s'élever très, très haut au-dessus de ce qui définit en principe la condition humaine. Par contre, si on le lit en grec, trapéza, c'est quelque chose à quatre pieds, c'est une table, encore en grec moderne. Donc, on peut aussi se mettre à quatre pattes. Donc, un trapéziste, ça dépend aussi comment on veut le voir. Hein, ça peut être aussi des pratiques sexuelles à quatre pattes, mais on peut aussi être un funambule. L'être humain, c'est entre les deux. Rappelons-nous de ce vers, je le cite extrêmement fréquemment parce qu'il me paraît extrêmement significatif, l'ange a léché le chimpanzé sur l'autel des agonisants. Donc, il y a à la fois l'ange et le chimpanzé, l'être humain, on a des... comment dire, nous sommes que des branleurs gélatineux babouins, donc le babouin, il est quelque part dans l'être humain. Bon, après, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait du babouin qui est en nous, du scorpion qui est en nous, hein, donc est-ce qu'on arrive à s'extraire de ça? Notre bipède nous dit qu'il est un vieux singe au cœur fossilisé, j'ai des rhumatismes à ma gangue, donc il est emballé en fait dans ce corps de singe qui fait que le cœur ne s'exprime pas forcément, donc on est confronté à toutes ces difficultés-là. Donc si problème, donc on a la catastrophe, et donc on se retrouve fou, hurlant et donc roulant des quatre feuilles. Alors, on peut se rouler aussi un joint ou ce qu'on veut. Bon, on peut l'expression qu'il y a derrière, c'est aussi ruer des quatre fers. Comme un cheval furieux, un homme furieux, on dit bon, ruant des quatre fers, c'est-à-dire les quatre pattes qui partent dans toutes les directions, c'est-à-dire que même le quadrupède perd aussi hein, sa quadrupétie et il se retrouve un peu partant dans tous les sens. Bon. Donc on a cette idée donc, de la folie, cette exacerbation en fait, donc de tout le, comment dire, toutes les possibilités physiques, mais comme si en haut la lumière s'était éteinte. Et puis on se dit, mais zut alors, on a des statues sur fond de ruines gothiques. On est bien en train de parler la langue médiévale en parlant d'un fol. Et si on allait voir ce que c'est un quatre-feuilles dans l'architecture gothique? Et donc là, alors si on est intéressé, on peut lire le livre de John Ruskin, traduit par Proust, donc où il décrit la Bible de Pierre, c'est la cathédrale d'Amiens. Il décrit, et donc il nous parle des quatre-feuilles. Il se trouve que le quatre-feuilles, c'est un terme donc, très utilisé dans l'architecture gothique. On peut aussi dire le quadrilobe. Ce sont des ouvertures. En fait, le dessin, c'est comme si on dessinait en fait, un trèfle à quatre-feuilles. Hein, c'est-à-dire que, vous savez, dans le gothique, vous avez ce côté très ornementé. Donc, on pourrait avoir une ouverture qu'on peut s'imaginer comme ça. Donc là, il y en a quatre. Et donc, les quatre-feuilles, il y en a où? Mais dans les cathédrales. Et ça peut être quoi, le terminal central des retours de cercueil? Ben, très souvent, si dans une ville et une cathédrale, on célèbre aussi des obsèques dans les cathédrales. Hein. Donc, le terminal central des retours de cercueil, ça peut être ça aussi. Ça peut être autre chose, hein, parce que dans le même texte, nous avons donc là-bas, sur les terrains vagues de nos cités, l'avenir se déplace en véhicule blindé, quelques ados qui s'exercent au suicide. Donc, le terminal central des retours de cercueil, on peut aussi s'imaginer que les jeunes connaissent une mort tellement fréquente, on va dire, que on peut avoir mis en place, comme on a le terminal des bus, c'est un peu le KMS qualité qui est là, on peut avoir le terminal des retours de cercueil parce que, en gros, l'idée, c'est quand les jeunes sortent de la cité, ben, ils vont trouver la mort d'une façon ou d'une autre, mais qu'il n'y a pas de possibilité d'en sortir vivant et sur ses deux pieds. Bon. Mais ça peut être aussi, dans l'autre, si on s'en tient à la connotation médiévale, on peut tout à fait voir là, donc ce terminal central des retours de cercueil, donc ça peut être dans la cathédrale avec ses décorations, donc avec le petit bémol, c'est qu'effectivement, donc, ce n'est plus une cathédrale dans toute sa splendeur, mais ce sont des ruines et donc les statues sont brisées.
Et ben, les quatre feuilles, roulant des quatre feuilles, peut-être les fenêtres, les vitraux sont-ils brisés. Enfin, bon, on a des tas de possibilités, mais on a cette idée-là. Donc, en fait, ce qu'on peut constater, c'est que le discours lui-même, à partir du moment où il peut se déplacer, aussi bien donc d'une atmosphère médiévale qui est parfaitement cohérente à donc l'atmosphère actuelle, donc c'est-à-dire donc les gens qui vont se droguer, la jeunesse qui se drogue, les enfants aux allures de zombies, c'est ce qu'on trouve dans ce même texte. Bon, donc c'est en fait le texte qui est en mouvement, et c'est simplement le mouvement du discours qui va nous faire voyager, et bipède compris, donc puisque le bipède va être entraîné lui aussi dans ces mouvements-là. Donc, on constate déjà que notre évolution va être effectivement un petit peu compliquée, et que donc notre programme est relativement clair, nous sommes censés nous élever. Donc, Aristote nous dit de rester debout, un autre philosophe nous dit qu'il faut aller toujours plus haut, hein, ça, donc c'est un des référentiels de Tiefen, c'est Nietzsche hein, qui nous dit ça. Hein, donc là, on a l'idée, et non seulement il faut aller toujours plus haut, mais il faut essayer de sublimer justement cette espèce de pesanteur qui s'attache à nous. Et donc Nietzsche nous dit, ben, au lieu de marcher, il faut danser. Si on peut danser, on arrive à aller toujours plus loin, c'est-à-dire passer de ce qu'il appelle l'homme au Übermensch, c'est-à-dire le surhomme. On en avait déjà parlé, donc ce n'est pas un terme nazi. Le premier qui a employé ce terme, d'ailleurs, ce n'est pas Nietzsche, c'est Goethe dans le Faust. Hein, c'est-à-dire que Faust essaye de défier les puissances des ténèbres, et puis quand il voit un esprit, ben, d'un coup, il panique. Et donc, c'est le diable, Mephisto, qui se moque de lui en lui disant « Mais toi, tu as peur, toi qui te prends pour un Übermensch, pour donc un homme de catégorie supérieure, plus qu'un être humain, toi tu as peur. » Et donc Nietzsche reprend ça en disant hein, que l'homme c'est un pont en fait entre l'homme et le surhomme, qu'il faudrait y dire que l'évolution n'est pas terminée. Ce que nous dit le texte de Tiefen, si nous ne sommes qu'une chenille, ben, il faut qu'on fabrique notre chrysalide, il faut qu'on en ressorte sous forme de papillon, donc on est quelque chose qui est en évolution. La seule chose qui est certaine pour Tiefen, c'est qu'on n'est pas terminé. Donc nos cerveaux malades doivent sortir du sommeil. Celui qui parle de nos cerveaux malades, c'est déjà Musset dans Les Confessions d'un enfant du siècle, hein, qui est aussi un des textes qui est chez Tiefen derrière Les Confessions d'un Evabium, et qui dit effectivement que nos cerveaux sont malades. C'est un peu l'époque qui veut ça. Donc Musset, c'est au début du 19e siècle, en disant que c'est une époque, et on en a déjà parlé, on a le choix qu'entre la momie et le fœtus. Bon, donc, on ne sait pas très bien comment se situer. Et donc, bon, le fœtus, c'est riche de promesses, mais ce n'est pas encore, disons, complètement achevé. Bon, et la momie, ça a dépassé sa date de péremption. Donc, en fait, on est coincé dans une époque. Bon, plus d'un siècle après, la situation est la même, ou deux siècles après, c'est-à-dire qu'on est toujours coincé dans cette histoire. La seule chose que nous dit Tiefen, si tu as peur de te mouiller, retourne à ton fœtus, c'est-à-dire que l'option « je retourne au fœtus » n'est pas une option viable. Il faut continuer donc à essayer de construire donc notre chrysalide, faire éclore notre papillon, faire éclore nos possibilités de l'âme. Et donc, si on n'y arrive pas tout seul, et bien on peut rêver donc, de l'ascenseur qui aura cette puissance élévatrice. Bon. Si on y arrive, donc on arrivera à danser. À la fin de Fièvre résurrectionnelle, on a donc cette adressée à la femme, et tu me fais danser là-haut sur ta colline, hein, dans ton souffle brûlant de douceur féminine. Donc là, on a effectivement... dans ton souffle éthéré, pardon, c'est ce ventre brûlant de tendresse féminine dans ça s'appelle Septembre rose, et là, c'est dans ton souffle éthéré hein, de douceur féminine. Donc là, on a cette idée danser là-haut sur ta colline, bon, avec toutes les connotations sexuelles qu'on peut rajouter, bien évidemment, mais Nietzsche qui dit, voilà, c'est ça la danse. Et à la limite, là, c'est une autre forme de folie. Donc, on n'est pas en train de ruer des quatre fers ou des quatre feuilles, de hurler. Non, pas du tout. On danse vraiment. Hein, et on a la danse de Zarathoustra. Donc, il monte au sommet et il danse. Et là, il est vraiment cosmique, mais pas con, en communion complète avec l'univers. Donc, le but pour l'être humain, c'est d'arriver à la danse. Comme c'est le but... On ne va pas court-circuiter toutes les étapes qu'il y a avant, y compris tout ce qui va nous empêcher éventuellement donc, d'atteindre notre but. Donc, on garde notre danse comment dire, en point de mire, hein, pour dire, voilà, c'est là qu'il va falloir qu'on arrive. Mais entre-temps, bien évidemment, notre mouvement risque de rencontrer beaucoup de complications. Alors, notre mouvement,
on va constater chez Thiéphaine d'abord que le mouvement a deux caractéristiques, en fait, comment dire, qui vont être présentes en fait, partout dans le discours de Thiéphaine. Il y a deux phénomènes qu'on retrouve sans arrêt. C'est la répétition, hein, je crois qu'on a, on l'a déjà évoqué, c'est-à-dire les substantifs ou les verbes qui commencent par « re ». Hein, on n'en finit jamais d'écrire, de réécrire la même chanson. Hein, on n'en finit jamais de rejouer Guignol. Donc, l'être humain est en proie à un mécanisme de répétition. Là aussi, on est un petit peu aussi chez Nietzsche quand il parle de l'éternel retour. Hein, donc là, tu redescends la même rue, la même histoire, le même jeu. Bon, la répétition, le tout est de savoir ce qui se répète. C'est-à-dire que si se répète quelque chose qui vaut la peine, hein, comme on dit, qu'on y retourne, hein, à peine t'en reviens que déjà t'y retournes, hein, copyright apéro mundi, donc là oui. Bon. Si par contre on redescend la même rue, la même histoire, le même jeu, les maîtres des voies sans issue t'ont offert un combat foireux, là la répétition qui se fait n'est pas une répétition souhaitable. Donc là on est pris entre les deux possibilités, hein, cette dynamique répétitive, donc qui peut nous conduire aussi bien, par exemple, à l'orgasme eternum, hein, je reviendrai comme un vieux junkie m'écrouler dans ton alchimie, et chacune des strophes nous dit je reviendrai au futur, c'est-à-dire là aussi, donc le temps vraiment, le futur indicatif, hein, le temps et le mode de la prophétie, donc là je reviendrai vraiment, et donc là on est sûr de ce retour, donc là oui, on a cette répétition qui va être un véritable accomplissement, quelque chose qui n'a pas pu se faire la première fois, mais je reviendrai, et là à ce moment-là les choses seront différentes. Et puis donc on a la répétition négative qui est synonyme donc d'une évolution qu'on aurait préféré éviter. Et dans l'exemple que je viens de prendre, là tu redescends la même rue, on voit en fait les deux dynamiques éventuellement négatives se compléter. C'est non seulement la dynamique répétition, mais la dynamique de descente, de dégringolade. Hein, de pantin déglingué, hein, quand je rentre à moucher, déglingué, désingué, c'est-à-dire toutes ces choses en dé, hein, qui sont dépréciatives, hein, c'est-à-dire que très souvent, donc, le mouvement, en fait, va davantage conduire à une perte de ce qu'il y avait avant. Hein, donc, le mouvement est un mouvement, non plus un mouvement ascendant, mais aussi un mouvement descendant. Hein, donc là, on va descendre et on va même redescendre. Hein, vous savez, ce moment fabuleux, là, la redescente climatisée, bon, alors qu'on peut prendre au sens tout à fait après une expérience donc, avec une substance, donc on redescend. Là, on voit la petite sœur soleil au bout du quai désert, petite sœur fugitive accrochée dans mes nerfs. Donc là, par exemple, un mouvement accroché, c'est un peu comme la statue. C'est-à-dire si on reste accroché, c'est pas forcément la fluidité, c'est quelque chose qui se fige, hein, dans une position donc, qui va être presque comme la statue, c'est-à-dire qu'on va s'empêcher du mouvement. Elle est accrochée dans mes nerfs, donc je ne peux pas éventuellement m'en débarrasser. Donc là aussi, tous les mouvements qui se figent vont conduire, hein, à cette rupture en fait, de cette dynamique de l'élan vital. Et donc, cette renaissance, alors la petite sœur, bien entendu, c'est une réponse, hein, à la chanson des Stones qui s'appelle System of Fine. Hein, donc, c'est la morphine qui est la petite sœur, hein, donc la petite sœur fugitive, hein, petite gosse fugitive accrochée dans mes nerfs. Bon. Donc, on a cette redescente. Un autre paumé descend les rues de ton ghetto et tu pleures en essuyant ses yeux figés. Donc, on a effectivement ce voyage qui est presque une marche funèbre, un itinéraire. Donc je t'ai rêvé ce soir au fond d'une ambulance qui me raccompagnait vers mes verts paradis. Vous vous rappelez qu'après en live en 2002, les verts paradis avaient été remplacés, donc le vert paradis des amours enfantines, citation directe, qui avait été remplacé vers mes noirs paradis. Donc là voilà, on a sans arrêt donc, cette répétition et puis la descente, donc, où effectivement, on peut descendre toujours plus bas. Dans un registre plus souriant, pourrait-on dire, ben, la chanson par laquelle se terminent tous les concerts de Thiéphaine, c'est « La fille du coupeur de joint ». Qu'est-ce qu'elle fait, la fille du coupeur de joint? Elle descendait de la montagne. Bon. Donc là, on est effectivement dans ce mouvement-là, mais après la rencontre avec les Saint-Chômeurs, plus question de chercher du travail, on pédalait dans les nuages au milieu du petit lapin, donc on en avait parlé, c'est pas forcément une chanson sur la drogue, c'est même pas du tout ça, mais l'idée, c'est donc elle descend,
du haut de la montagne, mais après, on va compléter cette descente par une autre forme d'ascension. Alors, La fille du coupeur de joint, donc, il l'a dit suffisamment, hein, c'est une chanson qu'il a écrite sur le campus pour amuser les copains, etc. Mais il s'est amusé, en fait, à la composer en mettant bout à bout, on va dire, des chansons enfantines, des chansons populaires, etc. Et puis, derrière, il y a aussi quelque chose d'assez fabuleux. Et en fait, ça m'est revenu à l'esprit tout à fait récemment, parce que j'étais en plein dans des auteurs japonais, parce que, bon, ils sont extrêmement présents chez TFM, et je me suis dit d'un coup, mais il y a un texte, le plus ancien texte japonais, texte il y a plus de 1000 ans, mais il nous parle de la fille du coupeur de bambou. Et donc, là, voilà, donc on a la fille du coupeur de joint, donc on a un coupeur de bambou. Et donc, il trouve en coupant ses bambous un jour une petite fille. Donc, c'est le plus ancien texte. Hein, donc, ça s'appelle Le conte du coupeur de bambou. Et puis, il y a certaines traductions qui l'appellent La fille du coupeur de bambou. Ça a été traduit en français dès 1953. Et c'est, ça traîne, même si on ne l'a pas lu en entier, ça traîne dans tous les ouvrages sur le Japon, y compris écrit bien avant 1953, hein, parce que là aussi, il faut un petit peu vérifier. Alors, La princesse Kaguya, c'est ça, c'est le, comment ça s'appelle ? C'est le dessin animé qui est effectivement, qui part de ça, tout à fait, vous avez raison. Myriam. Donc maintenant, tout le monde le connaît à travers Miyazaki, c'est-à-dire le dessin animé. Mais autrement, donc, vous pouvez le trouver. Donc, alors, c'est les presses orientalistes de France. Là, vous l'avez, la traduction qui a été d'abord publiée au Japon, puis il y a eu une réédition en 92. Et puis, vous l'avez aussi donc, pour enfants. Hein, donc, vous l'avez en version enfantine. Bon. Et donc là, mais alors là, après, c'est absolument cohérent parce que qu'est-ce qui se passe, notre fille du coupeur de joint ou de bambou. Donc, certaines traductions s'appellent comme ça. On dirait la setlist d'un concert de TFN, ça termine par la fille du coupeur de bambou, donc c'est le coupeur de joint. Et donc, nos bambous, donc, par contre, quand c'est dans le folklore français, vous avez va couper du jonc. Hein, donc, coupe du jonc, coupe du bambou, ça dépend là de, comment ça s'appelle, géographiquement, donc des ressources du pays dans lequel on se trouve. Et donc, nous avons ici nos saints chômeurs. Dans le conte japonais, donc la fille qui devient très belle, etc., elle est courtisée par Saint Prince. Donc on a effectivement, et donc chaque fois, elle les envoie promener, bon, finalement, donc le conte se termine autrement, puisqu'elle vient de plus haut, et donc elle vient de la, en fait, elle vient de la Lune, et donc elle va retourner dans son pays, donc et la Lune, donc elle vient aussi d'un continent perdu, t'es tombée d'une comète inconnue, donc c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ça se retrouve jusqu'au bout dans Tiefen, fièvre directionnelle, mais toi, tu viens d'ailleurs d'une étrange spirale, donc elle vient d'ailleurs, effectivement, et à la fin, on la voit repartir. Mais donc, c'est assez intéressant de voir que c'est présent dès le début et avec les personnages. Et après, quand on est au milieu des petits lapins, donc on avait discuté du sens sexuel des lapins, oui, ça marche aussi. Et puis, il y a l'autre idée, c'est que donc, dans les contes japonais, vous avez aussi, tout en haut dans les nuages, il y a des petits lapins qui à l'origine étaient des boules de neige, et ces premiers lapins, donc ils sont tombés du ciel, enfin ces boules de neige sont tombées du ciel et sont devenus des lapins. Donc voilà, lapin, fille du coupeur de bambou, donc en fait, on est aussi au Japon dans la fille du coupeur de joint. Et par contre, au début, alors là, on n'est pas dans un conte, mais on est donc toujours au Japon, mais c'est le prix Nobel Kawabata, donc prix Nobel en 68, si ma mémoire est bonne, il s'est suicidé en 72, donc tout ça bien avant, enfin les... Et le texte est beaucoup plus ancien. Donc, c'est un texte. Alors, si vous voulez le lire, c'est le recueil s'appelle Les récits de la pomme de la main. Et donc, le texte s'appelle La voleuse d'Eléagne. Les Eléagnes, c'est des fruits, ça ressemble un peu à des arbousses, si vous voyez. Et donc, ça commence comme ça. La fille du charbonnier descendait de la montagne. Bon. Donc là, vous avez à peu près tout. Voilà. Donc, on peut avoir des versions japonaises, la fille du coupeur de joie. Donc, c'est assez fabuleux, comme toutes les choses s'articulent. Et la cohérence de ce corpus, moi, je trouve ça… voilà. On va de découverte en découverte. On s'amuse beaucoup, parce qu'en plus, dès qu'il y a quelque chose, c'est absolument cohérent, donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec la cathédrale. Et puis là, donc, de cette façon-là. Donc, quand on descend, donc, on a effectivement… ça peut… donc, on peut descendre. Notre fille du coupeur de joint, elle arrive à remonter, elle retrouve les nuages, donc dans le conte, elle repart sur la Lune. Donc, quand on descend de cette planète, l'idée, ce sont souvent d'ailleurs, dans le texte de Tiefen, essentiellement, c'est les personnages féminins qui descendent de plus haut, donc tombés d'une planète inconnue. Et puis, l'idée, c'est d'arriver à remonter hein, avec, donc entraînée donc, par le personnage, sachant qu'on a quand même aussi des exceptions de personnages féminins. Ils ne sont pas tous uniquement situés là-haut.
le personnage féminin, modèle le relais, modèle la sirène, il peut nous entraîner aussi, hein, dans le vert des cathédrales marines, c'est-à-dire qu'elle peut nous entraîner aussi vers les profondeurs. Donc là aussi, comment dire, dans le texte, tout mouvement ascendant qui semble promettre un épanouissement, une plénitude, etc. Bien sûr qu'on peut parler d'intertextualité. Tout le corpus de Thiéphen, il est basé sur l'intertextualité. Comme il nous le dit, il dit, moi, j'ai fait comme Bob Dylan dans sa chanson « Bringing it all back home », c'est-à-dire tout ce que je ramasse sur mon chemin, je le rapporte à la maison et pouf, je le mets dans mes chansons. Et toutes les chansons sont, en fait, il dit aussi… mon corpus, c'est comme le palais du facteur cheval qui ramassait les petits cailloux dans ses tournées, puis après, ben voilà, il les met, il fait une structure avec. Bon. Il compare aussi, si vous voulez, des modèles esthétiques. Dans une autre chanson, il dit la boîte de Joseph Cornell, hein, donc, c'est-à-dire où ces boîtes, où il y a des choses qui sont totalement hétéroclites, à partir du moment où c'est dans la boîte, ça devient une œuvre de Joseph Cornell. Donc là, c'est pareil, il a tout rapporté, il a tout pris, et puis après, bien entendu, ça devient le texte de Thiéphen avec cette dynamique du discours qui fait que bon, ben, tout cela est fluidifié, mis ensemble. Et puis, ce qui est important, c'est que l'intertextualité, justement, elle est multiple. C'est-à-dire qu'il s'est amusé avec la tradition française et avec la tradition japonaise. Et après, ça donne donc ce texte-là, hein, donc avec nos lapins, notre fille, etc. Après, donc voilà, il y a tellement de possibilités donc de lecture. Et donc, quand on est dans les descentes ou les remontées, donc ça au choix, hein, on avait vu l'autre fois, hein, quand on avait parlé de Nyctalopus Airlines, hein, où donc on a l'impression je fly, donc je monte, et puis en même temps, si je dis je fly vers la douce Atlantide allumée dans mes courants d'air, donc finalement elle n'est pas au fond de l'eau, elle est là-haut. Bon, donc c'est pas extrêmement clair, mais d'un autre côté, je patrouille dans mon cargo chez les ovnis du crépuscule, je vis dans mon scaphandre à nébulo, donc si on a le scaphandre, ça peut être, on l'avait vu, hein, celui du cosmonaute ou celui du plongeur, donc là aussi les mouvements, on va dire, s'équilibrent, on sait jamais si on monte ou si on descend, et bien évidemment c'est intentionnel, hein, pourrait-on dire, de façon à justement créer, comment dire, à la fois l'impression d'une orientation, hein, suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Donc, si on suit la flèche, on devrait. Bon. Et à ce moment-là, bon, on se rend compte que non, ben, en fait, on ne voit rien, parce que ce qu'on voit dans un sens peut aussi bien aller dans l'autre. Et on en avait aussi parlé à propos de la flèche du temps, qu'on s'amuse toujours à faire repasser en sens inverse, hein, ou bien qu'on s'amuse à infléchir, les heures se courbent dans l'espace. Donc, on pourrait en fait conclure de façon tout à fait paradoxale que la multiplication des éléments qui devraient nous orienter, bien, en fait, si on les met tous bout à bout, on s'aperçoit qu'ils passent leur temps, ces éléments, à se contredire. Hein, hier, je t'aimerai. Qui a raison? Hier ou le futur? Les deux éléments coexistent. Hein. Hier, je t'aimerai de mon amour taxi. Hier, je t'aimerai de mon amour toxin. Qu'est-ce qu'on en fait? Hein, l'avenir est en route vers mon passé. Donc, effectivement, on ne peut le comprendre que si le sens du temps s'inverse. Hein. Donc, en fait, toutes les évocations du mouvement sont problématiques du fait qu'elles sont effectivement... elles ont tous une double orientation. Hein, on se pose toujours la question, la flèche du temps, est-ce que la flèche va toujours dans le même sens? Réponse dans les textes de Thiéphen, la flèche va toujours dans les deux sens. Et nous, il faut qu'on prenne toujours en compte la possibilité de double lecture, de triple lecture, de quadruple lecture, et là aussi, donc aussi bien dans l'intertextualité que dans l'orientation du texte. Cela, par exemple, autre mouvement, alors qui est en D, qui est censé, pourrait-on dire, être dépréciatif, pardon. C'est le mouvement de la dérive. Hein, on le trouve très souvent, la dérive. Je reste là dans ta dérive à contempler le jour naissant. Bon. Aussi, qu'on entend en ce moment dans les concerts de la tournée, là, donc le vent se lève au large des galaxies et je dérive à l'infini. Alors, si on dérève, par exemple, si on dérève, ça veut dire qu'on sort du rêve. Hein, autrement, on a « mais que devient le rêveur quand le rêve est fini ?» Alors, peut-être que le rêveur des rêves, c'est-à-dire qu'ils déchantent, hein, donc toute cette idée d'être privé de ce qu'on avait fait jusque-là. Mais quand on dérive, alors là, la référence, elle est assez claire. Hein. Thiéphen, d'ailleurs, a été classé dès le début, hein, quand on essaie un peu de classer ces textes-là, on a dit, en fait, c'est un des derniers situationnistes, c'est un néo-situationniste, et donc il connaît bien toute la réflexion de Guy Debord, notamment sur la dérive. Hein, donc Guy Debord, l'auteur notamment de la Société du spectacle, hein, donc, qui s'est suicidé en 1994, hein, donc c'est disons quelqu'un qui a eu
on dira un rayonnement extrême, hein, donc dans le monde intellectuel. Et donc lui, il dit que quand on va marcher, ben justement l'idée, il ne faut pas marcher avec un but en disant « je vais là ». Alors il fait ça par exemple quand on visite une ville. Il dit « on a très souvent le guide qui nous dit « il faut voir ça, commencer par là, faites ça ». Et il dit lui, donc le situationnisme, c'est l'idée de prendre une situation et d'arriver à la détourner. C'est-à-dire de lui donner des traits distinctifs, autres, tout à fait opposés à ce qu'ils sont censés être. Exemple de détournement situationniste, il dit par exemple, je vais, et donc il donne un peu des travaux pratiques, je vais dans la ville et j'inverse les panneaux de signalisation, je change les plaques des rues. Hein. L'idée aussi, c'est que je vais mettre quelque part rue barrée. Hein, alors qu'elle n'est pas barrée, la rue. Hein, c'est-à-dire, c'est pour mettre les gens dans des situations, justement dans des situations, et de voir comment on va réagir à ça. Bon, ça se pratique encore. Une fois, j'étais tombée comme ça, des étudiants de l'école des Beaux-Arts qui avaient fait du situationnisme. Donc, ils avaient effectivement inversé tous les panneaux. Ils avaient détourné l'abribus. Bon, donc ça, c'est, oui, c'est qu'un acte de résistance, la dérive, tout à fait. Hein, donc, à ce qui nous fait, dans un monde tout corseté, réglé, régulé, donc nous, on va se mettre en dérive. Bon, donc dans ce sens-là, chez Debord, la dérive, c'est quelque chose d'éminemment positif. Hein, c'est une démarche, justement, c'est même une démarche enfin, de résistance, de révolte. Hein. Exigeons l'immortalité. Ça, c'est une forme de dérive. Je dérive à l'infini, exigeant l'immortalité. Pourquoi pas ? C'est pas prévu ? Ben non, c'est pas prévu qu'on soit immortel, ben on peut essayer. Refusons de retourner peu à peu vers la face cachée de la nuit. Donc, cette idée-là, cette idée situationniste, elle est dès le début chez Thiéphaine. Hein, donc, le petit clin d'œil de la rue Barrée à Hambourg, sachant là aussi, hein, j'ai déjà eu l'occasion de revenir là-dessus dans Lorelai et Sébastocha, c'est que la rue Barrée, si, puisqu'on est, on est censé, donc, rue Barrée à Hambourg, donc, dans Hambourg, vous avez le quartier Barrée, hein, le Sperrviertel, qui est le quartier de la prostitution. Hein, donc, le barrage, vous pouvez le lire dans le sens où vous voulez. Hein, il faut toujours qu'il y ait plusieurs lectures. Bon, mais c'est donc une possibilité. Bon, donc, on est dans cette idée. Donc, on crée des faux repères. Et les textes de Thiéphaine sont justement... répondre en fait à cette demande de Guy Debord en ce sens où justement il propose systématiquement de redéfinir, de réinventer. Et donc, oui, il y a des indicateurs. Mais si la flèche va dans ce sens et que moi je m'amuse, je la déplace et je la mets dans l'autre sens, ben oui, ça reste une flèche, mais elle ne m'amène plus là où elle devait m'amener. Hein. Donc là, en fait, il faut s'imaginer que le texte, enfin tous les textes, le discours, est conçu de cette façon-là. C'est-à-dire, oui, il regorge d'indices hein, extrêmement précis. Regardez aussi, aujourd'hui, maintenant, désormais, et il y en a partout. Sauf que, est-ce que vraiment ça remplit une fonction de marqueur temporel ou non ? Ça peut être extrêmement variable, hein, parce qu'en fait, le maintenant qui arrive ou le aujourd'hui qui arrive, ben, en fait, peut ne pas induire forcément de rupture avec ce qu'il y avait avant. Hein. Donc, on est là aussi donc dans une abondance de possibilités d'orientation, mais aussi une difficulté constante, donc à faire une. Comment dire ? C'est peut-être un excès de naïveté de notre part si on veut absolument se fier à ces indications. En supposant qu'elles vont nous mener dans une seule, qu'elles sont unidirectionnelles, qu'elles sont univoques, qu'elles sont unilatérales. Ça, c'est tout ce que l'on ne va pas hein, justement trouver chez Thiéphaine. Donc, on a cette dérive. Bon, je reste là dans ta dérive à contempler le jour naissant. Donc, c'est la dérive de la femme. Est-ce que on se laisse entraîner ? Est-ce que c'est elle qui se laisse entraîner ? On n'a pas besoin de le savoir, en fait. Hein. L'idée, c'est qu'on quitte effectivement donc, la dérive. Il y a deux possibilités. Soit c'est le fleuve qui sort de sa rive, soit c'est l'idée au sens de river, de fixer. Et justement, donc, nous, on va passer au-delà, c'est-à-dire qu'on va défaire les rivets qui fixent quelque chose. Enfin, dans dérive, étymologiquement, il y a apparemment les deux possibilités. Bon. Donc, une fois qu'on en est là, après, c'est à nous de voir hein, si la dérive, comment nous choisissons de l'interpréter, la dérive, sachant que, effectivement, donc dans Animal en quarantaine, donc je dérève, je sors des rêves, mais dans ma dérive, je vais trouver quelque chose qui va être absolument fondamental et qui est là une affirmation ben, du bipède à station verticale, donc il va effectivement vouloir aller au-delà et donc explorer d'autres univers, ce qui fait d'ailleurs.
c'est assez logique finalement, l'importance de la science-fiction dans les textes de Thiéfaine, c'est-à-dire explorer, il a un dialogue assez constant avec disons toute la production de la science-fiction, parce que justement ce sont les gens qui ont essayé d'explorer donc des époques que nous n'avons pas encore vécu, des choses qui se passent, des uchronies qui pourraient se passer en l'an 3000 ou 5000 ou peu importe. Bon, donc, sur la trace de ces auteurs-là, il va nous emmener aussi voyager dans d'autres temps, dans d'autres époques, vers d'autres galaxies. Comme il nous dit, nous sommes donc les naufragés dans cet avion-taxi avec les yeux perdus vers d'autres galaxies. Donc, nos yeux sont perdus, mais est-ce qu'ils sont perdus ? Si nos yeux sont perdus vers d'autres galaxies, ça veut dire qu'ils sont peut-être perdus pour cette Terre, mais qu'ils peuvent s'ouvrir à autre chose, c'est-à-dire à d'autres univers, à des choses qui dépassent nos possibilités maintenant. Donc là, en 87 ou 86, quand le texte a été écrit, bon, ou bien maintenant en 2022, bon, mais les autres galaxies, ça va s'élargir. Donc, on a toujours cette possibilité, éventuellement, d'élargir notre horizon de perception. C'est pour ça aussi qu'on passe par plusieurs langues. On a des tas de possibilités différentes, justement, pour essayer d'élargir et de ne pas se laisser enfermer. Regardez par exemple la façon dont Thiéfaine réinterprète justement le mythe de Sisyphe, donc qui est pour Camus donc la façon pour lui d'exposer donc l'absurdité de l'existence et la réponse qu'on peut y accorder. Donc on a à la fin du donc Sisyphe, vous rappelez, à ces personnages de la mythologie là qui est condamné donc à traîner ce gros rocher tout en haut, puis dès qu'il est en haut, pouf, le rocher retombe et donc il doit le remonter. Et donc ça j'en avais déjà parlé en disant donc j'imaginerai Sisyphe, donc Camus nous dit il faut imaginer Sisyphe heureux, donc Thiéfaine n'imagine pas heureux mais il imagine gonflé aux anabos en train de faire sa muscu dans la cage au héros. Alors les anabos j'en ai déjà parlé, le grec c'est l'anabolé, c'est-à-dire la montée, et Camus nous dit, avant de dire il faut imaginer Sisyphe heureux, il nous dit la lutte vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, donc se gonfler aux anabos, c'est une autre façon de remplacer la lutte vers les sommets, donc là on va essayer de devenir toujours meilleur, toujours plus loin à fond la caisse, mais là, simplement en ayant des muscles gonflés au maximum. Pourquoi pas ça peut être une autre possibilité. Chacun a ses sommets, on va se fixer des sommets un petit peu différents. Bon. Mais où c'est qu'il fait sa muscu, notre brave Sisyphe? Dans la cage au héros. Et donc, la cage, là, c'est Max Weber, quand il réfléchit sur la société capitaliste, donc le sociologue, il dit qu'en fait, on est enfermés tous dans une cage de fer parce que la société a une structure effectivement tellement rigide qu'on n'arrive pas, on ne peut se mouvoir qu'à l'intérieur de cette cage et donc qui nous rigidifie. En fait, le terme allemand, ce n'est pas cage, ça a été toujours traduit par cage de fer ou cage d'acier. En fait, le terme allemand, c'est Greuze, ce que prend Thiéfaine, par exemple, quand il parle de la gangue, c'est-à-dire le Greuze, c'est l'espèce de structure à l'intérieur de laquelle on trouve une autre structure. Donc, quand il met le Sisyphe dans sa cage aussi, ça ressort aussi de cette idée-là. Bon, donc, on est enfermé là-dedans. Et on a dans les textes de Thiéfaine tout ce qui va entraver notre liberté de mouvement. Je pense aussi, par exemple, au motif de l'armure. Regardez dans Lorelai, tu m'arraches mon armure dans un geste un peu lourd, infinitive voile, l'idée c'est laissez-moi décharger mes cargos migrateurs et m'envoler là-bas vers les premières lueurs, donc on veut effectivement s'envoler, d'où j'arracherai mon masque et ma stupide armure. Donc tout ça, si on veut s'envoler, condition, non, on n'a plus l'armure. L'armure nous empêche parce que l'armure nous étouffe. Par contre, alors là, celui qui a beaucoup réfléchi sur l'armure, donc ce n'est pas Max Weber, c'est Wilhelm Reich, le psychanalyste. Là aussi, ça serait assez intéressant donc, de voir la lecture de Reich qu'on trouve chez Thiéfaine, et donc avec l'idée qu'on a tous une armure. Donc, c'est-à-dire que la société nous impose. Alors, l'armure, à la base, oui, le chevalier, s'il la met, c'est censé le protéger. Bon. Sauf qu'on voit dans l'évolution des tactiques de guerre au Moyen-Âge, la guerre de 100 ans, la chevalerie française totalement emballée dans l'armure, ils ne peuvent pas bouger, les Anglais, pas d'armure, mobile, des arcs, pouf, donc conclusion, les chevaliers coincés dans l'armure se font atomiser sur place, parce que justement, perte totale de mobilité. Donc l'armure, à la fois, nous protège, mais aussi, on va dire, elle nous sclérose. Bon. Donc dans les textes de Thiéfaine, on a cette idée de... cette urgence à se débarrasser de l'armure, sauf qu'on en a besoin. Dans l'ubi sentimental, lorsque son souffle accéléré me révèle dans un murmure le charme des verbes oubliés sous les mailles de mon armure.
C'est-à-dire que oui, l'armure, on l'a eue pour s'en protéger, mais scarification de guerrier de l'absurde, c'est Camus qui dit effectivement que le guerrier, c'est une figure de l'absurde. Parce que justement, on sait que la vie est absurde, donc on est prêt à risquer sa vie, on est prêt à la perdre, et c'est une façon donc éventuellement donc d'arriver à une vie dans l'espace assez étroit qui nous est donné, une vie qui s'accomplit par elle-même. Donc il dit il y a le guerrier, il peut avoir l'artiste aussi. L'artiste est aussi un représentant de l'absurde. Bon. Et donc là, il va arracher donc le masque, l'armure et scarification de guerrier de l'absurde, sachant que donc les scarifications, donc c'est la façon dont soi-même, bien évidemment, on s'est blessé. Sachant aussi que scarifier, ça veut dire raser, raturer, au sens où on raturait un parchemin dans l'Antiquité. Hein, donc là aussi, c'est son œuvre poétique qui peut être aussi considérée comme cette scarification. Et maintenant, donc, on va repartir, je marcherai sur l'eau. Si on est arrivé dans cet envol, on arrive à une dimension surhumaine, miraculeuse. Je marcherai sur l'eau, ce qui veut dire aussi je boirai plus d'alcool. Mais voilà, hein, donc là, on a… oui, parce que c'est toujours, bien évidemment… Enfin, puisque c'est justement, alors c'est un texte là, enfin, un des rares dont on peut, comment dire, on peut le dater, c'est une expérience autobiographique après la tentative de suicide, et donc l'idée, voilà, on va arriver, hein, donc quand les infos se vrillent au fond de ma pensée, mais là, dans ce, on va être, sachant que ces infinitives voiles qui viennent le bercer, laissez-moi m'envoler là-bas vers les premières lueurs, regardez par exemple dans combien de jours encore, hein, à pleurer dans les bras de ceux qui abandonnent, qui s'envolent à jamais vers un nouvel ailleurs. Quand on s'envole, on reste en vie ou non? Ce n'est pas clair non plus. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je cherche toujours à dire. Voilà. De quoi ça parle, ces textes? En fait, on n'en sait rien. C'est une dynamique, des mots qui se mettent ensemble, et après, ça nous propose plusieurs possibilités. Mais ceux qui abandonnent, qui s'envolent à jamais vers un nouvel ailleurs, si là, on considère, enfin, la plupart des gens qui entendent combien de jours encore disent, c'est une chanson qui parle de la mort, expérience de mort imminente, tout ce qu'on veut, donc on pleure, les gens meurent. OK. Mais alors, pourquoi, quand j'entends infinitive voile, pourquoi devrais-je dire, laissez-moi m'envoler là-bas vers les premières lueurs, pourquoi devrais-je dire, je reviens à la vie? Peut-être que non, hein. Donc là, l'ambivalence, elle est là sans arrêt. Dans le mouvement, donc l'envol, le ailleurs, c'est quoi ailleurs? Nouvelle ailleurs, on sait depuis le début, hein, ces personnages, s'ils ont cette aspiration au mouvement, c'est parce qu'ils veulent toujours être ailleurs. Orphée, hein, tu voudrais toujours être ailleurs dans un antique flux migrateur. On a ben justement donc mes cargos migrateurs, la femme qui a des oiseaux migrateurs dans le fouillis de ses cheveux. Donc là, il est bien évident que… alors là, ce n'est plus la nostalgie, mais c'est ce que le romantisme appelle, enfin le romantisme allemand appelle ça la Sehnsucht, c'est le désir d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et ces personnages, ils ont un désir d'ailleurs. S'il y a un désir d'ailleurs, forcément, tout doit être dynamique, en prenant en compte, de façon tout à fait lucide, le risque que, oui, il puisse y avoir échec et que, effectivement, le ailleurs, qu'on dit, puisse se révéler donc mortel, mortifère, tout ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est de ne pas rester là où on est. On peut aussi faire naufrage. Hein, ça, on l'avait vu qu'avec Lucrèce, être naufragé, c'est notre condition première quand on est. Bon, et on a nos regards lointains de naufragés. Donc là, comment faire après, par contre, l'autre texte, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, la douceur des naufragés dans cet avion taxi, très belle phrase. En fait, on la trouve, on en avait parlé hein, de Clément Rosset, hein, le philosophe qui, justement, dit le réel traité de l'idiotie. Et c'est lui qui définit déjà l'être en disant, voilà, la condition humaine, c'est ça. On est des naufragés dans un avion. Alors, c'est Stéphane qui rajoute que l'avion est taxi, mais c'est-à-dire où il va cet avion? On ne sait pas où il va. La seule chose qu'on sait, c'est que ben, il avance. Peut-être qu'il va se cracher. Hein, scorpion rampant dans le crash de nos âmes. S'il se crache, on va se cracher nous aussi. Peut-être qu'il va nous amener quelque part. On n'en a pas la moindre idée. Bon. L'ascenseur ferait office d'issue de secours. Hein, si on est naufragé dans l'avion taxi, nous rêvons d'ascenseur au bout d'un arc-en-ciel, sachant que l'arc-en-ciel, comme le dit Nietzsche, c'est ce que construit le poète. Quand il dit « l'homme, c'est un pont entre l'homme et le surhomme », le poète, il essaie de construire le pont, sauf qu'il ne peut pas le construire en dur. Donc, nous dit Nietzsche, il construit des arc-en-ciel pardon, mensongers. Donc, est-ce qu'ils vont nous porter voilà, dans de faux arc-en-ciel, mais toi, tu planes ailleurs sur des nuages flous, dans de faux arc-en-ciel vibrants de sable mou.
Donc voilà, le poète, oui, nous montre déjà. Bon, sachant que dans la mythologie, notamment mythologie nordique, l'arc-en-ciel, c'est le pont qui permet aux dieux d'aller au Valhalla. Donc pour les dieux, oui, c'est solide, ça va les porter. Bon. Voilà, Nietzsche nous dit, en tant qu'être humain, si je construis un arc-en-ciel, enfin, en tant que poète, voilà, ça peut être une image, hein, comme nous dit Tiefen, une parade étrange d'allégorie sans voix. Donc voilà, c'est une allégorie, on devrait faire ça. Mais ce n'est pas vraiment encore le pont, enfin, nous dit-il, ce n'est pas vraiment le bon pont qui va nous porter vers le surhomme. On sait qu'on doit se dépasser, ça c'est évident, mais voilà, il y a différentes possibilités. Il peut y avoir donc le détournement de tous les textes, hein, tous les textes du Tiefen. Il dit, moi j'écris pour détourner ce que je dis. C'est pour ça qu'il appelle son album Eros über alles, en partant du texte qui a été pendant très longtemps l'hymne allemand, avec la première strophe. Donc maintenant on ne chante plus que la troisième strophe, mais qui était Deutschland über alles. Bon. Et lui dit justement, moi, pour détourner, je dis Eros über alles, pour dire que pour moi la culture allemande, c'est pas le côté nationaliste, mais c'est l'idée de cette dynamique de l'Eros, donc qui est über alles. Et donc dans l'album Eros über alles, il y a très souvent un dialogue extrêmement soutenu avec la culture allemande, en fait, qui est dans tous les albums. Mais donc ça, c'est un détournement. De la même façon, donc on le retrouve dans le même album, la dernière chanson s'appelle « Je suis partout ». Et il dit « J'ai fait exprès, je suis partout ». Vous savez, c'était un organe de presse collaborationniste. Et il dit « Moi, je l'appelle « Je suis partout » et à la fin, ça se termine « Eros über alles ». Je suis partout, dans le vaincu, dans le vainqueur, le médaillé qui fait son beurre, dans la fille tendue contre un bal à poil devant les cannibales. Je suis partout, mais qui suis-je? Je ne suis pas, je suis partout, je suis Eros, et Eros, il est effectivement partout. Donc, il dit, voilà, ça détourne. Il fait, effectivement, il a écrit la chanson à l'époque du procès Barbie. Donc, voilà, on a toujours cette idée du détournement. Myriam, vous parlez de Ere Humanum, bien entendu. Hein, c'est-à-dire que la formule, d'abord, c'est Errare Humanum, hein, c'est-à-dire, errare, c'est au sens de errer, au sens ancien, c'est-à-dire faire erreur. Donc, l'être humain, c'est un des mouvements essentiels, il est pris entre l'erreur et l'errance. Hein, on a « Est-ce que je ne suis qu'une erreur ?» On a dans « Vers la folie », dans le tout dernier album, bon, « Tu traînes ton ennui dans les rues de l'errance ». Donc, effectivement, donc, l'être humain, il est toujours dans cette errance. Simplement, des fois, ça peut s'accélérer. Bon, donc, ça peut me revoir rêveur errant, riant au milieu des pourceaux. Donc là, on a cette idée. Donc, quelque part, l'être humain, il est toujours en mouvement de cette façon-là. Autrement, donc, on a, quand on est erré au manoumès, c'est aussi toujours plus loin à fond la caisse. Hein, donc là, on va bouger. Hein, erré, bourlingué. Hein, et là, qui est le petit clin d'œil à Sandrard, qui est aussi très présent chez Tiefen. Donc, le texte s'appelle Bourlingué, effectivement. Donc, oui, on va aller partout. Hein, on fait Nankin Ouagadougou pour apprendre le vol à puque, et on se retrouve comme kangourou dans un zoo qui prend les tuques. Donc, on a toujours, après, cette chute incroyable entre l'aspiration, hein, bourlingué, on va parcourir la terre entière, etc. On se retrouve comme kangourou dans le zoo, donc ce n'est pas exactement, je veux dire, le voyage extrêmement lointain qu'on avait prévu. Hein, ça, on en avait discuté un certain nombre de fois de ces vers-là. Donc là, il y a toujours, hein, pareil aussi dans qu'on s'appelle le jeu de la folie, hein, je rêve de transparence et d'épouvante mystique le long de la frontière qui joue que c'est l'inconnu, entraînant mon cadavre et mon vide pathétique et ma douleur femelle sur mon dos de bossu. Les deux premiers vers, on a l'impression que là, oui, on va y aller, on est là. Bon, sauf qu'on en rêve. Et qu'en fait, dans la pratique, si on traîne tout ça, mon cadavre, mon vide pathétique et ma douleur femelle sur mon dos de bossu, avec les quatre handicaps qu'on a là, je ne sais pas trop si on va pouvoir effectivement aller le long de la frontière qui joue qui est inconnue. C'est-à-dire qu'on a ces handicaps. Hein. Et là, alors ce verbe traîner qui est extrêmement fréquent chez Tiefen, je traîne dans cette galerie en grillant mes traumas, hein, donc je traîne une vieille caisse marquée fragile. Là, c'est chez Hemmemeler qu'on le trouve très souvent et il dit justement l'idée du cadavre, il dit la plupart des hommes, ils vivent comme s'ils traînaient leur propre cadavre. De leur vivant. C'est-à-dire que traîner, c'est vraiment cette lourdeur de l'existence qui fait qu'on a effectivement un poids. Hein, le soleil déshabille les filles qui traînent le poids de leur soustingue dans l'excitation des pupilles décomées au regard salingue. Donc là, effectivement, même la beauté de la poitrine féminine, au printemps, mai, joli mai, mois de Marie, donc à ce moment-là, ben, les filles, effectivement, elles sentent le poids parce que sous le poids, non pas forcément de leur soutien-gorge, mais le poids des regards qui pèsent sur elles. Hein.
et l'excitation des pupilles. Rappelez-vous que excitare, c'est faire sortir, c'est-à-dire qu'ils ont, comme dans les dessins animés, vous savez, les personnages avec les yeux qui leur sortent des orbites, l'excitation des pupilles, c'est ça, c'est pas uniquement l'excitation sexuelle, mais c'est qu'ils ont les yeux qui leur sortent vraiment des orbites. Hein, donc à ce moment-là, oui, on traîne quelque chose. C'est-à-dire qu'on a tous quelque chose à traîner. Donc là, dans le mouvement, ben oui, là, c'est le handicap, hein, c'est, comme on dit, on traîne un boulet. Donc, le verbe traîner qui est extrêmement présent, hein, c'est pour ça ce que j'aimerais essayer de, comment dire, de faire toucher du doigt ce soir, c'est à quel point, je veux dire, ce langage est absolument structuré. C'est-à-dire qu'on va le retrouver. Il n'est pas question de dire ça, qu'il y a des répétitions ou des choses, mais c'est simplement qu'il y a certains modèles de comportement qu'on va retrouver de cette façon-là, et si on peut trouver leur racine chez tel ou tel auteur, on est beaucoup plus à l'aise, justement, pour s'orienter, pour essayer de dire, voilà, quand on utilise traîner, à ce moment-là, on va avoir tel ou tel auteur qui est derrière, et donc telle ou telle possibilité, et donc ça va se répéter. Hein. Donc, traîner, ben, c'est le mouvement entravé. Après, on a l'autre, on a un autre, alors qui est un mouvement, on va dire, déformé, avorté. Quand on a, par exemple, défilé, hein, les assassins défilent en levant leur képi, ou des spectres obsolètes visités par Beaubrumel défilent dans un paraître inutile, morne et sans visage, ou bien donc des esquisses enflammées ou des figures folles défilent et font des feux au fond de l'infini. Là, alors dans le dernier album, Défile, il est là très souvent, puisqu'on a ça, donc ça c'est dans Nuit Blanche, le précédent, donc c'était dans Reykjavik, et là on l'a aussi dans L'idiot qu'on a toujours été, hein, l'histoire du Vendredi Saint, hein, le dieu mourant revient pour son Vendredi Saint, à l'heure où les putains, les traîtres et les bourreaux se rassemblent et défilent devant le Sanhédrin. Mais défiler, en fait, si on regarde, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être marcher en file, mais ça veut dire aussi sortir de la file. Comme on dit, se défiler, si on se défile, c'est justement qu'on ne va pas aller avec les autres. Bon. Donc, ce défilé-là, on ne va pas savoir aussi toujours comment l'utiliser. Hein. C'est-à-dire que là, si les gens défilent, est-ce qu'on va les voir tous ensemble avec une belle unanimité, par exemple, donc le Vendredi Saint, les putains, les traîtres et les bourreaux. Mais justement, il se trouve que dans le Vendredi Saint, les putains ne se comportent pas du tout de la même façon que les traîtres et les bourreaux. Donc, en fait, c'est réuni par le même verbe, mais le même verbe peut, en fait, recouvrir deux types de comportements tout à fait différents et dans le même verbe. Enfin, dans la même séquence, les putains, les traîtres et les bourreaux se rassemblent et défilent, sauf que, Marie-Madeleine ne fait pas la même chose que Judas. Mais tout ça, c'est rendu par des filles. Donc, en fait, on a toujours, donc là aussi, des figures folles, hein, défilent et font des feux au fond de l'infini et de joyeux bûchers pour brûler nos idoles. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? En fait, ça dépend si les idoles, elles sont dignes d'être... Enfin, si tout ce qu'il faut, c'est les brûler pour s'en débarrasser, ou au contraire, si on les brûle, si on regrette qu'elles soient brûlées. Donc, le défilé aussi n'est pas tout à fait évident aussi. Hein. Donc, on a voilà, la précision dans l'usage du mot, et puis on se dit, non, mais c'est tellement précis que finalement... Ben, ça se brouille. Et donc, c'est ce qu'il aime en disant toujours, j'aime bien le clair-obscur, je ne veux pas tout montrer, mais je veux qu'on puisse voir cette zone en fait, de gris, parce qu'en fait, ça peut être blanc et noir en même temps. Donc, il reste cette zone d'incertitude. Et donc, on va les retrouver donc, dans cette parade, hein, c'est-à-dire la parade, c'est là aussi, soit la possibilité ben, justement de parader, de se montrer. Mais la parade aussi, c'est une façon de trouver une parade, c'est-à-dire de se protéger et d'arriver à échapper à quelques dangers qui nous menacent ou disons à une attaque qui viendrait directement sur nous. Donc là, on a à nouveau hein, voilà, des modèles de comportement qu'on peut vraiment, entre guillemets, étiqueter, sauf que ben, en fait, on n'est pas plus avancé. Hein. On va voir de la même façon, par exemple, l'être humain, donc on l'a représenté en errance, hein, donc erré ou manonest. Dans Crépuscule transfert, qu'est-ce qu'on aura d'un coup? On aura l'horreur est humaine, clinique et banale, hein, etc. Bon. Donc, ce n'est plus l'erreur, c'est l'horreur qui est humaine. Pourquoi pas? Je veux dire, à ce moment-là, ça peut encore, ça peut encore revêtir de nouvelles implications, bon, sachant que là aussi, l'horreur, hein, c'est horresco, c'est qu'on a tous les poils qui se dressent, donc ça peut être aussi un frisson de plaisir, sachant que l'horreur est humaine clinique et banale, clinique, c'est ce qui se passe dans le lit, hein, et banale, c'est ce qui est commun à tous. Hein. Donc là aussi, on peut lire le texte dans des sens assez différents. Hein. Ce qui nous amène à voir que quand on se balade aussi, dans toutes ces, quand on se promène, là,
Ben, c'est pour ça qu'on trouve aussi souvent, bon, je ne vais pas revenir sur tous les petits, comment ça s'appelle, les labyrinthes et des dalles dont on a parlé la fois dernière à propos de Borges, mais le labyrinthe, c'est justement un modèle de cette désorientation qui est récurrente, hein, puisque le labyrinthe, donc, il y a des allées, mais au bout d'un moment, on ne sait plus où on en est. Vous avez cette belle formule, hein, quand les crocs de l'amour croisent les crocs de la haine, dans l'encyclopédie des clameurs souterraines, sauf qu'une encyclopédie, c'est aussi quelque chose dont on peut faire le tour avec ses pieds, mais en tournant en rond. Hein. Donc, le mouvement qu'on va trouver le plus souvent, ben, en fait, ça va être ce mouvement qui nous amène à tourner en rond. Hein, comme dans l'homme politique, le rôle mob, c'est la cuve à mazout, tu tournes en rond dans ta psychose. Donc là, c'est dit de façon assez évidente. Hein. La roue tourne enseignant sur son axe indécis, entraînant des enfants aux allures de zombies. Donc on a cette rotation, on avait vu hein, la roue de la loterie, la roue de la fortune, tout ce qu'on veut. Mais c'est surtout ce fait de tourner en rond. Et là, on retrouve notre ami Guy Debord qui avait fait ce palindrome. Et on le trouve, enfin, il n'est pas directement là, mais c'est assez évident. Vous savez, dans les confessions de Never Been, hein, ce personnage qui n'a jamais existé, qui a des identités d'emprunt, et donc c'est ce dont je me suis servi pour le titre de cette conférence, quand il dit « Je suis l'évêque étrusque, un lycanthrope errant qui patrouille dans le gel obscur de mon mental. Bon. » Et Debord, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, il le dit en latin. Donc, il nous dit « Ingirum imus nocte et consumimo igni », c'est-à-dire « Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu. » Alors, si on écrit la phrase latine, je vais essayer de l'écrire là, comme ça, si vous voulez la relire. En fait, on peut la lire dans les deux sens. Donc, elle va vraiment en rond. C'est un palindrome. Donc, ingirum imus. Donc, alors, il me souligne en rouge parce qu'il n'aime pas le latin, mais c'est ça. Hein. Voilà. Hein. Donc, ça, c'est de bord, et si ma mémoire est bonne, il voulait même en faire un film. Donc, c'est nous marchons ingirum, ingirum comme gyrophare, ça tourne, imos, donc c'est du verbe eo, ire, aller, nocte de nuit, et consumimo igni, et nous sommes consumés par le feu. Donc, c'est pour ça que notre personnage nous dit je rêve d'être flambé au-dessus du Vésuve et me défonce au gaz échappé d'un diesel, hein, donc, et je patrouille dans le gel obscur de mon mental, c'est-à-dire que là aussi, on tourne en rond. Et là, il y a ce verbe patrouiller qui est assez récurrent chez Tiefen, justement pour exprimer comment dire, le mouvement qui ne sert à rien, le mouvement inutile, le va-et-vient, ou bien on tourne en rond, on est complètement bloqué. La patrouille, c'est ça. Je veux dire, quand on part en patrouille, on ne part pas à l'aventure. On va du point A au point B pour voir s'il y a des mouvements, rien à signaler, mouvement de troupe, etc. Bon. Et donc, si on patrouille, qui patrouille dans le gel obscur de mon mental, alors ça, on en avait parlé, hein, que William Burroughs utilise la même formulation dans le Festin nu, hein, pour décrire l'état de quelqu'un dont le cerveau est tellement, alors là, vraiment, comment dire, déglingué, détraqué par l'abus des drogues. Donc, il y a des identités multiples. Et donc, il dit, mes occupations principales consistent à patrouiller parce qu'il n'est plus propriétaire de son cerveau. Il ne sait pas quand le propriétaire va être là. Donc, là, il patrouille dans le gel obscur de mon mental, sauf que donc, l'évêque étrusque, hein, on avait vu, c'est le haruspice, c'est donc celui qui regarde la divination étrusque, hein, il faisait la lecture du foie des animaux. Hein, que le haru, c'est le foie, expliquait donc qu'on a retrouvé... Donc, qu'on s'appelle speculum, le miroir, etc., toutes ces idées de regarder, qui est scope en grec, hein, avec les consonnes inversées, qu'on retrouve l'évêque, c'est le épiscopos, c'est ce qui regarde par-dessus, l'évêque, c'est le surveillant. Bon. Et donc, si je patrouille dans le gel obscur de mon mental, alors le verbe patrouiller, il est choisi, bien évidemment, par référence à Burroughs, mais il est aussi extrêmement intéressant, et dans les autres cas où on va retrouver ce verbe chez Tiefen, parce que patrouiller, donc ça vient en fait à l'origine en fait, de patouiller, tripoter. Et donc, qu'est-ce qu'il fait la ruspice pour regarder le foie? Ben, il le prend en main, il le tripote. Sauf que lui, le tripotage, il le fait comme s'il disséquait son propre cerveau. C'est-à-dire que là, effectivement, donc, l'image est extrêmement forte. Hein, je suis l'évêque étrusque, donc comme le haruspice, et je patrouille dans le gel obscur de mon mental. Donc, ben, mon cerveau, il ne sait plus que de la gélatine parce que bon, il est un peu, comment dire, abîmé. Et donc, je peux le prendre dans mes mains, je peux patrouiller, je peux tripoter. À l'origine, patrouiller, c'est le même mot, c'est cette idée de tripotage. Donc, de la même façon, les patrouilleurs de Miss Métro, les partouzeurs de Miss Métro patrouillent au fond des souterrains. Donc, voilà, là aussi, hein, donc Miss Métro, ben c'est oui, donc dans le métro, bien entendu. Donc, c'est les, comment dire, on pourrait dire,
vous savez, les comités citoyens, les comités de vigilance, les voisins vigilants et tous ces trucs-là. Bon, donc, effectivement, les partouzeurs de Miss Métro patrouillent le fond des souterrains, sauf que ce n'est pas uniquement dans le métro. Hein, ça peut être à la fois l'idée de... comment dire, le métro, il ne faut pas oublier que c'est la mer, hein, la métropole, donc c'est la ville-mère. Hein, donc, on a tous cette idée de jamais savoir, quand on cherche une femme, si on cherche une fille ou si on cherche sa mère à travers cette fille, donc d'où l'idée de Miss Métro. Et donc, on va effectivement patrouiller au fond des souterrains, mais le souterrain le plus évident, c'est bien entendu le dédale, le labyrinthe, qui est aussi le corps de la femme. Donc, on joue aussi avec ces éléments-là. Hein. Donc, on va l'avoir aussi coincé dans ton pick-up truck en patrouille sur la 7e rue, hein, dans Malox, Texas Blues, où il représente donc, le personnage donc, au Texas. Hein, donc, effectivement, on pourrait penser, donc, je ne sais pas, moi, comme un Texas Ranger hein, qui irait patrouiller, effectivement, de l'autre côté du désert, tu vas venir ton avenir. Donc, c'est extrêmement ancré avec les noms de toutes les spécialités locales, hein, du chili con carne, etc. Cuervos en margarita, donc les bières locales et tout. Bon, et donc là, il patrouille sur la 7e rue. Bon, sauf que tu hallucines, tu vois Donald Duck en train de besogner un pendu, donc on retombe aussi dans d'autres connotations. Donc la patrouille, c'est vraiment, puisque notre ami à la fin, qu'est-ce qui lui arrive? Et là, on passe à un autre verbe, donc patrouiller, c'est le va-et-vient. Et puis donc, de l'autre côté du désert, tu vois venir ton avenir. Donc, avec l'idée, on s'était posé la question déjà, hein, c'est un peu à l'avance, hein, le mur de Trump, le Texas va être absorbé par le Mexique, donc il faut empêcher ce qui va arriver de l'autre côté du désert, dans la tête du personnage. Bon, ou bien, de façon beaucoup plus générale, hein, métaphysique, eschatologie, on termine en disant « Tu titubes au milieu des flammes de l'enfer de René le Phénix ». Donc là, on a la légende du phénix dont on avait parlé, hein, cet oiseau miraculeux qui renaît de ses propres cendres. Bon, est-ce qu'on est le phénix nous-mêmes? C'est plus compliqué. Hein. C'est l'enfer d'où renaît le phénix et il est dedans. Tu titubes au milieu des flammes de l'enfer d'où renaît le phénix. Est-ce que ça suffit pour dire que tu es le phénix et que toi aussi tu vas renaître? Grand point d'interrogation, ça on ne sait pas. Hein, c'est à nous de voir comment nous, jusqu'où nous choisissons d'accompagner le texte avec notre phénix. Est-ce qu'on l'est ou non hein. Et donc, le verbe qui m'intéressait, là, dans le mouvement, c'est tituber. Alors, il titube parce que depuis le début, vu le nombre de marques de, comment dire, de bière qu'il a énumérées, on comprend qu'il titube. Bon. Mais cette idée de tituber, de perdre cet équilibre, c'est aussi... Ben aussi une des déformations, donc quand on est le bipède à station verticale, oui, on ne va pas forcément toujours marcher droit. Hein. Vous rappelez le texte, je peux lire ton avenir dans ta façon de marcher. Ben là, effectivement, donc cette façon de marcher-là qui fait tituber, c'est qu'on est effectivement empêché. Donc, on voit toujours la même idée, hein, reprendre son envol, puisque le phénix, c'est un oiseau miraculeux. Donc, on pourrait effectivement s'arracher aux flammes. Bon, sauf que ça risque d'être beaucoup plus compliqué, qu'on n'y arrivera peut-être pas. Donc, le phénix reste un modèle. De la même façon, on l'avait vu dans le syndrome albatros. Alors, lui, en tant que poète, pas de problème, hein. Tu remontes vers l'azur flashant de mille éclats, donc lui, il est censé avoir accès, effectivement, donc à ces domaines plus élevés. Bon. Sauf que tu jouis comme un phénix ivre-mort sous les flammes. Donc là aussi, est-ce qu'il est vraiment un phénix ou non? Nous n'en avons jamais la confirmation. Ce que je veux dire, c'est que dans les textes, il faut toujours... J'avais fait, ça remonte à très très longtemps, enfin, c'était un ami qui me l'avait raconté, donc un prof à la fac là, qui faisait des textes médiévaux. Et donc les gens interprétaient, et le type revenait toujours en disant « c'est où dans le texte ça ?» Et je pense que vraiment chez Tiefen, il faut toujours revenir avec ça en disant « c'est où dans le texte ?» Si je dis « tu jouis comme un phénix ivre mort sous les flammes », il faut vraiment mettre des points d'interrogation partout. Parce que oui, ok, il y a phénix et flammes. Bon, il est mort, il va revenir. Bon. Mais notre phénix, il n'est pas seulement mort, mais il est ivre-mort. Bon. Quand il est dans les flammes, il n'est pas forcément censé jouir. Et tu es comparé à un phénix. Conclusion, attention aux assimilations trop rapides. Hein. Bon. Donc, de la même façon, on a vu au début, c'est un clown masqué. On voit aussi que l'idéal aussi, après, pour arriver à une authenticité, parce qu'effectivement, le personnage est très souvent masqué. Enfin, la figure qui dit « je » a très souvent comme attribut ce masque. L'idée, c'est de l'arracher, comme nous dit Lucrèce, hein, il répète aux personnes, hein, il faut l'arracher, hein, on arrache le suaire qui nous colle à la face. Donc là, oui, hein, il y a des mouvements libérateurs. Arracher, par exemple, c'est toujours, enfin, dans les textes là, c'est un mouvement qui, effectivement, permet l'accès à une autre dimension, on enlève peu à peu. Bon,
Et puis, il y a ces mouvements donc, qui nous enferment. Donc, comme titubé, on ne sait pas si on va en sortir. On l'a aussi dans qu'on s'appelle de Malekids, hein. Les charognes attitubent au-dessus des couveuses et croisées, lugubres, funèbres, berceuses, qu'ils de bon. Donc là, s'ils titubent, on ne sait pas trop dans quel état ils sont. Quand on titube, ça laisse penser. Bon, d'abord, la forme latine, hein, c'est-à-dire tous ces verbes à redoublement qui montrent effectivement qu'on est bloqué dans cette dynamique de tautologie. Hein, et on le voit très souvent chez Tiefen. Hein, le ciel est aussi rouge que tes raids. Je reviens à Malox Texas Blues. Hein, bon, donc ça, vous pouvez le dire comme ça. Donc il est raide parce qu'il a trop bu. Donc il n'arrive plus à marcher de façon harmonieuse. Bon, de la même façon aussi, si on le lit en anglais red, le ciel est aussi rouge que tes raids. Donc on a rouge et red qui sont au deux bouts du verre. Donc là aussi, on est enfermé. Donc tourner en rond dans sa psychose, tourner en rond et se brûler soi-même, c'est comment dire une figure récurrente hein, du mouvement. Dans ces textes-là. Ce qui fait qu'on va se retrouver, dans la mesure où on est dans cette errance qui est sans but, hein, là aussi, si on est dans notre albatros, l'albatros donc, qui est censé avoir quand même accès à des vérités supérieures, hein, puisque, par exemple, donc doux chaman en exil interdit de sabbat, tu pressens de là-haut les fastes à venir, hein, donc le poète, il plane là-haut, c'est le vrates en latin, donc il a cette fonction, hein, donc il est comme un devin, comme un voyant, hein, bon, donc là, bien avant Rimbaud, hein, le poète latin, sa définition de Vates, V-A-T-E-S, comme vaticiné, donc il peut prophétiser. Donc oui, il a accès à quelque chose. Sauf que le poète, il est aussi en exil. C'est-à-dire que très souvent, ces mouvements, le mouvement du protagoniste le conduit, comme on dit, à défiler, il n'est pas justement avec les autres, et donc il se retrouve ben, à l'extérieur. Hein, il est le statut de l'exilé, c'est très souvent donc, le statut du jeu dans ces textes-là. Là, on a alors, le modèle, c'est le texte de Raine hein, qui dit les dieux en exil, c'est-à-dire qu'il se représente les dieux en exil, les dieux de l'Antiquité, chassés par le christianisme et donc qui se retrouvent en exil. Et en fait, le poète est en exil sans arrêt. Hein. Du fond de ton exil, tu vois des processions de chiens à demi-fous qu'on relègue à la mort. La version originale disait ça, la version retravaillée pour les concerts de 2022 dit du fond de notre exil, ce qui est beaucoup plus général, c'est-à-dire c'est pas seulement la figure féminine à laquelle il s'adresse, mais c'est notre exil, soit nous deux, soit l'exil de tout le monde. Hein. De la même façon, dans l'animal en quarantaine, la quarantaine c'est aussi une forme d'exil, c'est-à-dire on est séparé et on est à l'extérieur des autres. Bon, on est aussi exilé, torturé, dépouillé, tourmenté. Ce sont tout en fait plus ou moins des synonymes dans ce texte-là. Et donc, la situation de l'exil est effectivement une situation qu'on va retrouver sans arrêt. Des gosses exilés qui maquillent ton nom sur les fiches transit d'hôtels hallucinaux. Donc, on a cette idée de l'exil. On n'a par contre jamais la possibilité de retrouver quelque chose qui pourrait être un chez-soi. Il y a un texte qui parle des villes natales et ce n'est pas pour avoir justement une nostalgie de la ville natale. Si on a une nostalgie, c'est nostalgie de séjour au fond des villes mortes, sans haine et sans amour au fond des villes mortes. Donc là, il n'y a pas vraiment de nostalgie d'un endroit précis. Par contre, il y a le désir d'un ailleurs. Et puis, donc, la sensation de jamais être à sa place. Hein. On se rappelle, là, dans le Tycho Pompe, Métempsychose et Sportswear, en disant, à regarder passer les linceuls dans la rue au spectre visqueux, je ne sais plus si c'est moi qui suis seul ou les autres qui sont trop nombreux. Donc là, on a sentiment d'absurde absolu. Donc, on ne sait plus où est la frontière entre la vie et la mort. D'ailleurs, les morts sont très souvent des acteurs hein, des chansons au même titre que les vivants. Hein. J'ai mis ma dernière tournée en me demandant si les morts s'amusaient autant que les vivants, si les morts s'ennuyaient autant que les vivants, si les morts se sentaient aussi seuls que les vivants. Et les morts, ils sont là, ils parlent en dormant, ils pleurent sous leur dalle de granit. Donc là aussi, ce mouvement, en fait, il ne s'arrête pas vraiment avec la mort. La frontière qui jouxte l'inconnu, ben, là-bas derrière, il y a autre chose aussi. On a l'impression qu'il y a tout ce mouvement cosmique hein, qui, en fait, donc, les frontières, au moment où on les définit, ben, c'est pour dire qu'elles n'existent pas. Hein, il est trop tard pour marquer l'horizon d'une flèche illisible et sans dérision, justement parce que l'univers est infini et que donc l'horizon, ben le seul qu'on peut dépasser, c'est j'ai broyé mon propre horizon et retourne à mon inconnu.
Hein, donc là aussi, bien entendu, dans ces mouvements, l'exil, c'est quelque chose qui prive donc de racines. Hein. On le retrouvera d'ailleurs dans le texte dont le titre est un hommage à Nicolas Bouvier, qui s'appelle donc Nicolas Bouvier, qui a écrit donc ce recueil qui s'appelle Roots et des routes, et Thieffel le reprend en disant Roots et des routes, c'est-à-dire Roots au sens R2OTS, les racines, et des routes plus croisement. Et donc là, justement, les racines, dans ce texte qui est censé évoquer des racines, c'est un texte qui se passe entièrement dans les paysages de l'Ouest américain où on se perd à un carrefour. Et là, donc justement, quand on est en exil, ben on ne sait plus trop. Hein, le prototype du poète exilé, c'est Ovid, hein, puisqu'on sait qu'il a été aussi exilé historiquement dans sa vie. Et donc, il a écrit effectivement des textes où il commente sa situation d'exilé, hein, donc les tristes et les pontiques. Et donc, l'exilé, qu'est-ce qu'il fait? Il attend qu'on le rappelle. Et donc, l'attente, c'est quelque chose aussi... vous allez me dire, quand on attend, on ne bouge pas beaucoup, mais l'attente est tournée vers quelque chose. C'est-à-dire que l'attente est tournée vers l'avenir. On se rappelait quand on avait discuté du texte d'Augustin en disant justement le futur, c'est le présent de l'attente. Hein. Et donc, on attend. Hein. Donc, le texte qui s'appelle Libido Moriendi, donc ce désir de mourir, c'est on attend. On attend sous un ciel de suie que les dieux nous métamorphosent. On attend l'ange inquisiteur dans le calme froid de l'aurore. On attend l'ultime prédatrice. Donc, l'attente, c'est toujours une attente active, dynamique, et on sent que... quelque chose va arriver, c'est-à-dire c'est pas une attente où on resterait comme ça sans rien faire. En fait, la statique est toujours, on essaie toujours de l'éliminer, hein, sauf alors justement encore une fois, on l'attribue au statut. Donc là, les statuts, c'est pas extrêmement, c'est plus un repoussoir qu'un modèle. Par contre, il peut y avoir, et là on commence déjà une possibilité donc de transcender l'immobilité, donc on peut la transcender par l'attente, parce que l'attente va forcément déboucher sur quelque chose. Hein. Rappelons-nous par exemple fièvre résurrectionnelle, hein, qui était aussi la fièvre résurrectionnelle, donc le soleil se lève, donc là aussi c'est bien un mouvement, c'est-à-dire qu'il y a toujours bien évidemment hein, ces mouvements du jeu des bipèdes à station verticale qui peuvent être méchants, hein. Il y en a un autre où il est un maléficieux bipède aux yeux brûlants de haine, donc le bipède il est maléficieux, ça peut être qu'il fait des maléfices, mais ça peut dire aussi qu'il a reçu un maléfice, on va dire on est maudit, on dira de façon plus moderne le texte vers la folie. Donc, voilà, est-ce qu'on est méchant, est-ce qu'on est maudit, c'est un petit peu compliqué à voir. On attend autre chose. Donc, on attend l'ascenseur, on attend pour aller ailleurs, si on résume un petit peu dans tout le corpus. Et donc, l'attente, donc dans, par exemple, fièvre résurrectionnelle, donc on attend l'insurrection, on attend de remonter, on entend aussi les cloches de la résurrection, mais cela se produit, en fait, dans le texte lui-même. C'est-à-dire qu'on a nos cinq strophes, hein, se rappeler, on a les étapes du lever du soleil dans les banlieues de toutes les villes du monde réparties sur tous les continents, y compris des villes qui n'existent plus, y compris des villes imaginaires. Et à la fin de chaque strophe, c'est « Je t'aime et je t'attends à l'ombre de mes rêves, je t'aime et je t'attends et le soleil se lève. » Et qu'est-ce qu'on a à la dernière strophe ?« Je t'aime et je te veux. » C'est-à-dire que l'attente conduit à quelque chose de dynamique et donc si on veut, ben, alors après on ne sait pas si on la veut ou est-ce qu'on l'aura, mais voilà, on sort toujours de cette statique, hein, de cette condamnation à être immobile. Hein, donc là, on va arriver à en sortir. La vie s'est bougée, hein, comme nous dit Narcisse, hein, qui est le voyageur des petits matins. Bon, tu fais semblant de rocker pour faire croire que tu es en vie. To rock, ça veut dire bouger. Il faut bouger. Hein. Même la femme qui fait rien, la provinciale de petite bourgeoisie, elle regarde passer le temps assise dans son rocking chair, les yeux fermés. Comment peut-elle regarder les yeux fermés, c'est autre chose. Comment peut-elle regarder passer le temps par exemple, dans Zoos, humains et bus, on a « Je regarde passer les humains de ma rue », un peu comme on reluque aux Zoos les ébus. Bon, là, pas de problème, on peut les regarder passer. Regarder passer le temps, ça peut être plus compliqué. Et en fait, le mouvement, il s'est figé dans le walking chair. C'est-à-dire qu'on a effectivement sa balance, mais bon, ça ne va pas aller bien loin. Enfin, c'est un va-et-vient statique, un enfermement, enfin, comme une sorte de berceuse peut-être des désirs qu'on peut avoir. Bon. Mais voilà, on se retrouve, donc dans cette même là, il y a
petite amorce de mouvement, mais en fait, chez une femme donc, dont la vie, bien entendu, la provinciale de petite bourgeoisie, si vous vous rappelez, donc, comment dire, le mari n'est pas un loser, hein, c'est un homme de grand cœur qui se présente au Parlement, les enfants donc, ont un bon quotient, ils seront plus brillants que leur père sur le marché, ils jouent leur tennis en riant et claquent bruyamment les portières de leur VTT. Donc là, on a l'image de quelque chose qui peut être, pour cette femme, fait un cauchemar ou quelque chose dont elle essaie de s'abstraire, et donc, il reste le rocking chair, ce balancement, et tout ce qu'elle peut regarder, c'est passer le temps, mais justement les yeux fermés. Hein, et elle sourit au vent parce qu'elle est complètement en dehors de ça. Hein, donc là, on a une image de quelqu'un qui est complètement coupé. Hein, bon. Ça fait un petit peu penser, puisqu'il disait justement qu'il avait lu Drieu La Rochelle et qu'il avait rencontré à travers sa lecture le terme d'inespoir, le livre de Drieu La Rochelle, ce roman qui s'appelle Rêveuse bourgeoisie. Dans la bourgeoisie, ils sont toujours là à échafauder des plans. Donc on a cette dame de petite bourgeoisie là qui. Bon, mais elle, elle n'en est plus là. Hein, elle est complètement, donc le mari, les enfants, pourquoi pas. Les portières, on ne peut pas claquer, bien entendu, du VTT. Les portières, ça peut être aussi les tentures, donc là, ça ne ferait pas de bruit. Donc, ça devient tout ça extrêmement compliqué à cerner, pourrait-on dire. Donc, si on essaye d'apporter ce mouvement, donc on va avoir une autre possibilité déjà, c'est-à-dire, on a vu une immobilité qui devient dynamique, j'attends, mais je veux, donc quelque chose va se produire, parce que c'est dans la même strophe, à la fin, ça se termine en disant « tu me fais danser là-haut sur ta colline ». Donc, on va arriver à cette apothéose dans la danse. Et de la même façon, on a donc des personnages qui vont effectivement, pourrait-on dire, défier la pesanteur. Le problème de l'être humain, dans « Soleil cherche futur », mais dans « Les souterrains, les rêveurs sont perdants », serions-nous condamnés à nous sentir trop lourds? C'est la même chose que le con cosmique. Donc, effectivement, on peut rêver, on est en prise avec l'univers, sauf qu'on est trop con pour y arriver. Donc, on est effectivement, on est coincé d'une façon ou d'une autre. Mais il y a des personnages qui vont pouvoir transcender ça. Par exemple, le portrait de femme en 1922, qui est un texte assez fabuleux parce que justement avec 1922, il rassemble en fait tous les éléments de la production romanesque de 1922. Et puis, c'est aussi, donc ça, cela, je n'en ai pas encore parlé, mais j'en avais parlé déjà, c'est dans le Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry, quand le consul parle à sa femme qui était infidèle et essaye d'imaginer tout ce qu'elle aurait pu faire en 1922, voyager, etc. Et donc, il la rencontre, hein, donc je t'ai rencontré une nuit, au détour d'un chemin perdu qui ne conduisait nulle part, donc là, c'est de la position du jeu, où tu te tenais immobile en équilibre sur un fil tendu au-dessus du hasard. Donc là, on a l'immobilité, mais ce n'est pas du tout l'immobilité de la statue. C'est l'immobilité, on va dire, du funambule, hein, qu'on a en plus, en moins positif, dans les confessions de Nevabine, où les noirs funambulent du vieux cirque barbare, mais c'est un petit peu la même chose, à part que là, c'est une funambule, comment dire, éthérée, hein, qui vient d'ailleurs, je ne suis qu'effluve et je reviens d'ailleurs, elle le dit. Bon, donc là, on a cette possibilité, c'est-à-dire cette immobilité, mais qui n'est pas celle de la statue. Regardez par exemple dans Eurydice 97, donc quand Eurydice elle est de l'autre côté du passage obscur, hein, donc t'entends parfois d'étranges murmures, des voix fissurées qui d'étranges rumeurs, pardon, des voix fissurées qui rêvent et murmurent, mais qui jamais ne rient ni ne pleurent. Et là, on voit à l'inverse, hein, la beauté de Baudelaire, hein, et jamais je ne pleure et jamais je ne ris, et la beauté dit chez Baudelaire, je suis belle ô mortel comme un rêve de pierre. Donc là, c'est pas cette beauté-là immuable, hein, qui jamais rit, qui jamais pleure, non, au contraire, là, elle est là, elle va bouger, parce qu'après, elle s'envole, hein, elle prend le premier train rapide pour Marseille ou pour Amsterdam, elle est toujours en voyage, elle le laisse, mon tendre amour ne m'en veut pas, demain, il faut que je reparte, donc, elle est toujours, en fait, en déplacement, donc, elle arrive à transcender, donc, l'immobilité, elle est précaire, elle pourrait s'envoler, et lui essaye de la suivre, hein. Donc, elle me parlait d'inconnu, hein, de mystérieux chemins perdus qui montaient au-delà des murs. Donc, elle lui offre effectivement une possibilité de libération avec, bien entendu, toujours la question, est-ce qu'il pourra la saisir? Parce que, bien évidemment, elle ne se laisse pas enfermer. Hein. Tu sais, je ne suis à personne, demain, il faut que je reparte. Donc, c'est l'esquisse, en fait, d'une vie totalement libérée. Bon, 1922, pardon, c'est aussi l'époque, effectivement, hein, de la libération de la femme. Enfin, la femme commence à pouvoir prendre sa vie en main, à se réaliser. Donc, elle dit, effectivement, voilà, hein, je ne suis à personne, demain, il faut que je reparte. Et tu reprends ta route, ton ténébreux voyage. On a aussi, d'après le tableau, hein, compartiment C, voiture 293, inspiré par Edouard Propos, donc d'après le tableau, et on
voit la voyageuse solitaire entourée de mystères. Donc, la femme, quand elle est en route, elle a une autre façon de voyager, hein, c'est-à-dire que le mystère qui la nime, en fait, ne la quitte jamais et elle devient, en fait, comme une sorte, pour l'observateur masculin, comme une sorte de point d'aimantation, de fixation. Et donc, ça va pouvoir, en principe, c'est toujours un voyage qui est une offre, qui est une invite, une invitation au voyage, à suivre, hein, et à essayer effectivement de s'approprier donc ce mouvement plus, on va dire, plus souple, plus fluide, hein, donc qui ne va pas être justement statifié et bloqué. Et donc là, bien évidemment, donc l'apothéose, pourrait-on dire, ce serait, hein, justement de pouvoir danser, hein, comme le dit Nietzsche en disant, voilà, se dépasser, c'est danser. Et donc, si l'homme arrive à danser au rythme donc que lui suggère la femme, donc là on est quelque part comme dans un accomplissement absolu. Hein. L'homme qui contemple la femme en dansant, c'est cette révélation de la beauté. Hein, je te vois dans le miroir et je contemple en rêvant les joyaux de ton histoire, la folie de tes, les joyaux de notre histoire, la folie de ton histoire, la folie de tes 20 ans. Je te vois et je me perds à te regarder danser. Hein, c'est-à-dire que là, effectivement, cette contemplation de la femme qui danse, qu'on va retrouver, hein, les chœurs de l'armée du salut se mettent en transe lorsque tu danses. Alors là, bien évidemment, c'est aussi salut au sens donc il rentre en transe. Enfin, c'est aussi une image d'érection. C'est pas uniquement l'armée du salut. Enfin, chaque fois, saluer, c'est ça, chez Stéphane. Mais donc la femme qui danse. Hein, et c'est la dernière last exit to paradise, la dernière sortie si vous voulez aller au paradis. C'est cette femme qui représente donc la séduction de la beauté du paradis qu'on retrouve bien évidemment. Alors vraiment magnifié, amplifié, exacerbé, tout ce qu'on veut dans le dernier album, hein, la chanson Elle danse, qu'on entend aussi sur scène dans une version qui est vraiment qui en augmente encore l'intensité. Donc on a uniquement cette femme qui danse. Et en dansant, qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, elle arrive à envoyer promener tout le reste. Elle danse pour ne plus oublier, elle danse pour ne plus pardonner. Hein, mais donc elle danse sur sa mémoire troublée, sur ses souvenirs dévastés, elle danse sur des noms périmés, sur des adresses oblitérées. Peu importe, hein. C'est-à-dire qu'elle arrive et elle danse à travers la lumière, les yeux brûlants de mille éclairs. Donc, on a derrière beaucoup de danseuses, notamment la danse d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris. Mais on a voilà, cette idée, cette valeur presque métaphysique de la danse. On arrive effectivement à dépasser voilà, tout ce qui fait qu'on se sent trop lourd. Ben, cette danse de la femme va arriver à la dépasser. Bien évidemment, il y a des caricatures de danse. Hein, pensons à la nuit de la Samain. Hein. Donc cette ce texte délibérément grotesque justement pour caricaturer Halloween, donc effectivement vision chorégraphique d'un trip au bord du vide où le danseur en croix sodomise un lépreux, c'est-à-dire que là c'est l'exagération grotesque. Bon, c'est-à-dire l'image, toutes les figures scandaleuses, bon, sachant que, bien évidemment, ça peut être aussi donc une position sexuelle, des figures, tout ce qu'on veut. Bon, mais voilà, la danse peut aussi, hein, dans cette chorégraphie qui peut être aussi une chorégraphie de l'absurde, hein, donc là, la danse n'est pas non plus hein, à l'abri du dévoiement, du détournement. Hein, ça, on va le retrouver, à peu près partout. Par contre, on n'a pas donc regardez quand on voit effectivement l'homme qui danse, c'est la femme qui le fait danser. Autrement, on a des célèbres danseurs dans les dingues et les paumées. Hein, les dingues et les paumées. Alors là, ils se cherchent sous la pluie. Donc là aussi, hein, l'être humain, quand il est dans les rangs, il est en train de chercher. Bon, en général, pourrait-on dire, cette recherche n'est pas couronnée de succès. Les dingues et les paumées se cherchent sous la pluie. Combien de mutants ayant rêvé ton numéro se sont perdus croyant l'avoir trouvé. Donc quand on trouve, on perd. Enfin, il y a toujours cette même on est aussi à la recherche du temps perdu. Alors chez Proust, ça finit bien avec le temps retrouvé. Dans les textes de Tiefen, c'est beaucoup plus rare, hein, puisqu'on traverse le temps perdu de la sagesse, mais est-ce qu'on va le retrouver ? Là aussi, il y a un grand point d'interrogation. Mais donc les dingues et les paumées qui ils se font danser jusqu'au dernier mambo. Et puis à la fin, reprends tes valkyries pour tes valseurs maso, mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar. Donc on a cette autre cette autre idée de danse. Donc là c'est la danse qui peut être aussi, et là aussi côté féminin, une danse de la séduction qui est une danse mortifère. C'est-à-dire que là, les valseurs maso qui rentrent effectivement donc dans la danse, donc la Valkyrie, c'est bien évidemment
Valsurmazo, pourquoi? Parce que la Valkyrie, elle est comment dire, toute en armes avec son armure, sa cuirasse, son casque, tout ce qu'on veut. En plus, hein, les Valkyries sont vierges aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de rapport, et donc c'est la partenaire idéale, donc la femme dominatrice, mais qu'on ne va pas vraiment toucher pour donc, les Valsurmazo, les branleurs-mazo qui rêvent cet amour masochiste. Donc on a aussi hein, ces dévoiements de la danse, et notamment aussi donc, la danse de la séduction, danse la Sarah bande frivole des courtisanes à la mémoire d'amants noyés dans leurs arcanes. Donc là aussi, la danse peut être hein, une danse qui va absorber, là qu'on en avait parlé avec l'anatomie de Mélusine, là, qui digère un petit peu les corps de ses amants, hein, donc c'est la même chanson où apparaît Mélusine. La danse va avoir aussi hein, cette fonction de séduction, de destruction dans les ombres du soir. Le texte original nous dit... elle dort au milieu des serpents et à la fin, elle joue avec ses serpents. Dans les versions scéniques, en 2011 et surtout 2012-2013, on est arrivé, elle danse au milieu des serpents. Et c'est effectivement cette femme, qu'est-ce qu'elle dit ? « Tu sais déjà, me murmure-t-elle, qu'il faut séduire pour mieux détruire. » Donc là, c'est la danse, effectivement. N'oublions pas que la danse de la femme, la danse de séduction, c'est aussi une danse de mort. Pensons à la danse de Salomé qui demande la tête de Jean-Baptiste. Donc c'est la femme qui danse pour détruire, et donc le serpent qui est aussi bien évidemment cet instrument. Alors le serpent, comme nous dit l'alchimie, il y a le serpent mâle et le serpent femelle, donc on a cette, ça s'appelle d'un droit interne ou même écroulé dans ton alchimie, donc le serpent on peut le voir dans le sens qu'on souhaite, hein, cette étreinte féminine ou bien plutôt un principe mâle, mais ce qui est important c'est que donc, la danse va être effectivement, pour jouer avec les serpents, par contre là il y a une autre dimension du texte, on a vu que le texte il est situé… il y a le texte de Marcel-Aimé Lavouivre qui en est le modèle littéraire, le premier modèle. Et puis, donc le texte est situé historiquement pendant l'occupation, et enfin, je veux dire, pendant les guerres, coule une rivière qui nous sert de démarcation, enfin, je veux dire, pendant les guerres, quand on a une occupation. Et donc, elle, elle joue avec ses serpents. Chez Paul Celan, hein, donc le poète donc, qui... dans la tour de Sfoug, à la fugue de mort, il parle justement des camps de concentration, des victimes des camps de concentration, et l'homme qui est là, ça c'est un homme donc, qui joue avec ses serpents. Hein, et donc là, c'est la femme qui joue avec les serpents, donc on est dans, dans la même constellation donc, du serpent comme attribut du personnage destructeur. Donc chez Paul Celan, c'est le nazi, c'est le commandant du camp, donc qui joue avec les serpents et qui fait jouer du violon donc, le prisonnier du camp. Et donc là, on le retrouve avec la femme qui entend... aussi jouer du violon dans les bois, mais là donc c'est transposé au féminin, mais c'est donc ici la femme qui est destructrice. Donc c'est pour ça que là aussi on ne peut pas dire uniquement la femme c'est l'éternel féminin, elle va nous sauver. Non, il y a aussi une image de la femme destructrice, comme il y a une image de l'homme destructeur. On a aussi beaucoup, on a vu hein, de scènes de cannibalisme, donc ce qui est assez se manger, se dévorer, ça va aussi dans le même sens, qui est aussi un mouvement de destruction. Et donc la danse va nous entraîner aussi, hein, donc dans cette possibilité donc, d'avoir cette danse, la danse du fantôme, hein, la danse du fantôme qui dégénère en partout. La danse du fantôme, alors là, par contre, c'est une réminiscence, donc là, cette fois-ci historique, puisque là, cet album-là, il a été entièrement composé, enregistré donc, aux États-Unis. Et donc, comme tout à l'heure, on était au Texas, donc la danse du fantôme, c'est en fait donc, ce mouvement hein, des Indiens d'Amérique pour restaurer ben, d'abord leur dignité, leur culture, et ce qui était la danse des esprits. Et en français, on l'a souvent traduit par la danse du fantôme, and ghost, en fait, c'est ghost. Donc, qu'il soit l'esprit, soit le fantôme. Et donc, cette danse qui a été après extrêmement violemment réprimée, qui a abouti à des massacres, hein, notamment le massacre de Wanidni. Et donc là, on a la danse du fantôme qui peut dégénérer aussi. Donc là, elle a dégénéré en massacre. Et très souvent chez Tiefen, la partouze et le massacre sont des équivalents. C'est-à-dire, ce sont les mouvements mal dirigés. Hein, c'est-à-dire, c'est ces mouvements qui sont des mouvements destructeurs au lieu
lieu d'être des mouvements qui vont élever ce que devrait être la danse en principe, et donc la danse qui conduit à ce massacre. On se rappelle que dans les têtes de Tiphaine, on a très souvent, disons, cette sympathie, hein, ma tristesse animale d'indien qu'on saoule, qu'on oublie, hein, quand il s'écroule devant le terminal du bus. Donc là, la danse du fantôme, c'est aussi hein, cette, comment dire, ce souvenir hein, de l'histoire de l'Amérique, de la même façon, le temps futur des Dakotas dans les ténèbres en sang, donc le massacre des Indiens. Donc oui, ces mouvements du bipède, alors là, il est vraiment maléficieux, il est vraiment aux yeux brûlants de haine, sachant que ces mouvements agressifs aussi, donc les mouvements des armées, etc., donc bah, des fois, ça peut se retourner, hein, puisqu'on voit à la fin donc, le maléficieux bipède, dans Est la première fin de millénaire, qu'est-ce qu'on voit à la fin? Il est totalement submergé par les hordes affamées, hein, les hordes affamées envahissent tes palaces, piétinent ton épitaphe et trinquent sur tes pelouses, trop tard pour lancer ta tronche en dédicace, donc là, quelque part, il y a un mouvement de balancier, de la même façon qu'on a cette fièvre résurrectionnelle ou insurrectionnelle, quand la banlieue descendra sur la ville. Donc là, on a des mouvements. Alors là, c'est un petit peu autre chose parce que les textes de Tiphaine sont en général, on l'a vu, j'ai dit très régulièrement, le protagoniste, la figure centrale, la femme. Bon, il le dit lui-même, hein, dis-moi, je suis un solitaire, je suis un franc-tireur. Mais il arrive des fois que soient évoqués donc, des mouvements beaucoup plus vastes. Donc ici, donc, par exemple, quand la banlieue descendra sur la ville, hein, donc la grande razzia des parias, le grand basta des rastas, et on a donc ce déferlement, donc ces foules qui marchent, ces armées, et on l'a, alors là aussi, des deux côtés. C'est-à-dire que quand il y a une marche, ça peut être donc justement ces marches destructrices. On a par exemple dans 113e Cigarette sans dormir, hein, qui passe en revue toutes les possibilités de guerre, de destruction, bon, et en disant à chaque fois, ça se termine en disant « Et moi, je n'irai pas plus loin, mais moi, je n'irai pas plus loin, car moi, je n'irai pas plus loin, je tiens ma tête entre mes mains. » C'est-à-dire de refuser de marcher avec les autres, ou de hurler avec les loups, enfin, comme on veut. Hein. C'est si facile d'être un héros. Hein. Donc là, on refuse de jouer les maquisards, de tout. Non, moi, je n'irai pas plus loin. Guignol ne connaît pas de son métier. Je ris à m'en faire crever. Et puis, on a ces foules qui marchent, notamment, alors on l'a dans l'évocation là, de... Comment s'appelle des camps staliniens là du Goulag dans Karaganda, camp 99, hein, là qu'on voit toute la foule, hein, des visages incolores, des voyageurs abstraits, des passagers perdus, des émigrants inquiets qui marchent lentement à travers nos regrets, hein, et après on voit qu'ils marchent lentement sous l'insulte et la trique. Donc là, on a vraiment, après, qu'est-ce qu'il dit? On les voit marcher, mais qu'est-ce qu'il dit après? Fantôme aux danses astrales, aux rhapsodiques pleurs, c'est-à-dire qu'on retrouve la danse du fantôme des Indiens, quelque part c'est la même chose que tous les gens qui ont été massacrés par Staline, vous rappelez, c'est la voix de Staline, c'est le rire de Beria. Et ce qui est ennuyeux, c'est que, mais comment dire, de l'autre côté, ça marche de la même façon. On entendait avec ces bruits de bottes qui marchent sur ma tombe, et là, dans le même Karaganda, on a qui marche lentement au bord des avenues, hein, vampire au cœur fondu, barbare ivre de sang, vampire au cœur fondu qui marche lentement au bord des avenues, des mondes agonisants, des déserts corrompus. Donc, en fait, cette idée de la marche, là aussi, hein, il y a les victimes qui marchent, mais les bourreaux aussi, et en fait, tout le monde marche. Donc, après, il faut essayer de... Ça ne peut pas être, comment dire, je pense que si on peut en tirer quelque chose, bon, c'est une vision, hein, c'est quelque chose d'extrêmement, d'extrêmement prenant, hein, et puis donc le rappel de la compromission, hein, c'est la rime racoleuse d'Aragon et d'Elsa, en disant voilà, ils ont fait le voyage et ils ont dit que c'était très beau, alors que voilà ce qui s'est passé. Et donc, et il compare ça avec Orwell qui est revenu en disant là, il se passe des choses qui ne devraient pas se passer. Donc là, on a ça. Donc, conclusion. Si on veut essayer de savoir comment il faut bouger, je pense qu'il vaut mieux en rester en disant non, là, je n'irai pas plus loin, mais si je tiens ma tête entre mes mains, là, c'est vraiment le geste de la mélancolie dont on a parlé souvent, hein, donc ce geste symbolique. Bon, donc là, on ne bouge plus. Donc, c'est compliqué. Et moi, je reste assis, les voilà partis vers d'autres aventures, vers les flèches où les fleurs flashent avec la folie, mais moi, je reste assis, et moi, je reste assis, les poumons dans la sueur, à filer mes temps morts à la mélancolie. Les autres sont partis. Ben moi non, donc là, moi, ce n'est pas mon truc. Bon. Donc, je n'ai pas décollé, hein, parce qu'il faut décoller, pas vrai. Bon. Donc, eux, ils sont partis. Bon. Si moi, je ne fais pas le voyage, conclusion, je reste assis. Et je reste, effectivement, avec la mélancolie, les poumons dans la sueur, donc un peu compliqué pour respirer. Et puis, si je file mes temps morts à la mélancolie, là, c'est Romain Gary qui nous explique ce que c'est le temps mort. Il nous dit, en fait, entre deux éclats de rire, il faut toujours mettre un temps mort. Donc, en fait, voilà, soit je ris à m'en faire crever,
Mais entre les éclats de rire, il reste la mélancolie. Et là aussi, ben voilà, on oscille entre les deux. Parce que si je veux rien faire crever, ben très concrètement, à la fin, je n'y suis plus. Et donc, on a aussi cette possibilité, aussi les voyages. Hein, quand on est transi, le transit, ben c'est aussi, étymologiquement, c'est aussi la mort. On passe de l'autre côté, donc on traverse. On a aussi la transhumance. Qui va être à taguer nos passés d'atomes en transhumance, bon, pour aller d'une terre à l'autre, pour aller au fond de la terre. C'est quoi la transhumance? Je calcule mes efforts et mesure la distance qui me reste à blêmir avant ma transhumance. De quelle terre vais-je changer? Quelle terre vais-je troquer contre quelle autre terre? Où est-ce que je vais aller? Dedans, dessus, en haut? Tout ça, ça reste ouvert. Hein. Donc, le mouvement, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On peut le sublimer dans la danse. Dans elle danse, c'est l'expression la plus aboutie. Mais remarquez que là, quand elle danse, quelque part, enfin, moi, je disais, quand j'ai entendu cette chanson, on dirait la chanson Me Too de Tiefen. Hein, c'est vraiment, elle danse et elle veut se venger. Vous voyez, le mouvement Me Too, la femme qui prend la parole. Donc, elle danse sur sa mémoire blessée, sur tout ce qui est dévasté, etc. Bon, et donc, elle danse. Elle apporte comme ça cette réponse, elle danse. Quelque part, c'est une danse de vengeance, mais au lieu d'aller casser la figure à tous les gens qui l'ont, non. Elle danse et elle sublime tout ça dans cette danse, dans quelque chose qui ne va pas durer. Elle danse en attendant l'hiver, les heures de glace à fleur de pierre. On avait parlé du texte de Murakami qu'elle a derrière. Bon. Donc, on a ça. Bon. Conclusion, voilà. On peut sublimer. Bon. Après, la danse, elle tombe souvent en caricature. La dérive, elle se maintient, sauf quand après... on est un pantin déglingué. J'ai ma panoplie de pantins déglingués, c'est-à-dire j'ai l'équipement complet, bon. Mais déglingué, ça veut dire que ça ne fonctionne plus aussi. Et quelque part, ben voilà, entre le bipède à station verticale et le pantin déglingué, nos possibilités de bouger, voilà. Oui, on sait qu'on doit rocker, donc la musique doit bouger. Ce qui est intéressant aussi, sur le plan de... puisqu'on est beaucoup resté dans les mots, puisque c'est la façon dont ils sont traités, les textes de Tiefen, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de phrases où il n'y a pas de verbe, justement. C'est-à-dire qu'en fait, on exprime le mouvement, mais c'est des tableaux. Il n'a pas lu pour rien les prophéties de Nostradamus. D'ailleurs, dans le premier Descente aux Enfers par la face nord, il cite directement. Bon, si vous lisez les quatrains de Nostradamus, vous verrez, ça ressemble beaucoup parce que vous avez une succession de substantifs, de formules imagées. Il n'y a pas de verbe. Donc, on en fait ce qu'on veut, puisque justement, il n'y a pas de verbe. Bon. Regardez par exemple orage, orange et rouge, magnificence obscène et turbulence ouverte aux nuées souterraines. Je fais quoi avec ça si je veux bouger? Il n'y a pas de verbe. Très souvent, il n'y a pas de verbe. C'est-à-dire, c'est un discours extrêmement dynamique, mais qui très souvent se passe du verbe. Quand il l'utilise, on a vu que tout cela est extrêmement codé, mais les images se suffisent à elles-mêmes. On ne peut pas dire que ça ne bouge pas là-dedans. De la même façon, quand on a la chanson qui est au programme de la tournée actuelle, Juste une valse noire, hein, souvenir éphémère, beauté blême et transfert dans tes jardins d'Éden, bon, pas de verbe là non plus. Il n'y a rien d'ailleurs. Ça s'appelle Juste une valse noire, où il est le mouvement? Il est dans la musique, à travers la valse qu'il a composée avec ça, et donc c'est effectivement une valse. Donc là, on a effectivement... oui, comme c'est de la musique, la dimension dynamique est là. Mais très souvent, alors je ne veux pas dire que les textes sont statiques, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, mais c'est un déferlement de vision, hein, et très souvent, le verbe, au sens le verbe conjugué, avec un sujet, etc., il n'y est pas. Ou alors vous avez un verbe, éventuellement, dans une subordonnée relative, etc., mais très souvent, vous avez... Mandalas qui ont mis des soupirs féminins sur les claviers bulbeux des orages clandestins, sépulture de Valium pour voyageurs vampires errant dans les sargasses de Monseigneur Martyr. Pas de verbe là-dedans. Reprenez-les, tous ces textes, très très souvent. Le discours de Tiefen, c'est rhapsodie, comme il dit, à caractère onirique. Le caractère onirique vient du fait justement que le verbe s'en allant, on est confronté à cette... oui, ce déferlement de substantifs avec des épithètes, si on le souhaite, oui. Mais comme il n'y a pas de verbe, on ne sait pas dans quel sens va le mouvement. Parce que justement, le verbe serait là pour nous dire qui fait quoi dans l'histoire. Là, non. Je veux dire qu'il n'y a pas... Bon, le français n'est pas une langue à déclinaison. Si on voulait les traduire en latin, je ne sais pas, est-ce qu'on mettrait ça en nominatif? Est-ce qu'on le mettrait à l'accusatif? Est-ce que je dois sous-entendre « je vois des sépultures de, », etc. Bon, ou bien... les sépultures apparaissent, on n'en sait rien. Donc là, le côté énigmatique du style, il est là-dedans aussi, très souvent. Donc soit on a un jeu, mais quand il n'y a pas, alors quand on a un jeu,
il est évident que là, à partir du moment où je commence avec je vais quand même mettre des verbes que je vais conjuguer. Mais très souvent, on a des tableaux et quand les verbes sont éliminés, alors là, très souvent, quand il faut se mettre à parler en mettant un verbe conjugué, on aura plus souvent un tu qu'un je, justement pour qu'il y ait une distance plus importante. Donc là, voilà, tout ça est merveilleusement agencé et voilà. Donc je trouve que ça vaut le coup de regarder. Voilà, ces mouvements, comment ils se passent avec des KO. Oui, vous avez lu quelqu'un qui dit. Oui, tout à fait. Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale, tout à fait. Je suis bien d'accord avec vous. C'est quelque chose de... parce que ça nous guérit de tas d'illusions, hein, parce que justement, il se pose la question, à quoi nous servent tant d'illusions? Donc voilà, on est lucide. Après, ça n'empêche pas que, on bouge. Il y a une chanson qui est tout entière sur le mouvement, hein, En remontant le fleuve, hein, qui a été écrite à partir de Au cœur des ténèbres, hein, de Joseph Conrad, bon, et puis aussi un peu de Water Music de Titsy Boy. Et donc là, on remonte le fleuve. Donc on est en mouvement sans arrêt. Remarquez que tout le texte ne dit que en remontant le fleuve. C'est tout. C'est-à-dire que, ah oui, ça, il a le pouvoir, effectivement, les litotes, l'omission des verbes, oui, tout à fait, hein, c'est pour ça, c'est pour avoir ce style énigmatique. Mais vraiment, si vous avez le temps, amusez-vous, Nostradamus, ça traîne partout, regardez la diction de Tiefen, c'est vraiment Nostradamus, hein, c'est vraiment justement ces quatrains, ces alexandrins, puis ces choses un peu mystérieuses comme ça, on peut vraiment le trouver. Et donc là, quand vous avez un remontant le fleuve, on pourrait dire, mais là, on en a du mouvement. Lisez tout le texte. Le texte ne dit rien d'autre qu'en remontant le fleuve, et tout le reste, ce sont des subordonnées. En remontant le fleuve au-delà des rapides, au-delà des falaises accrochées sur le vide, si elles sont accrochées, elles ne lâcheront pas, bon. Où la faune et la flore jouent avec les langueurs de la nuit qui s'étale libre de sa moiteur. À chaque fois, on a où, et ça se termine, vers les feux de nos doutes jusqu'au dernier mensonge, dans la complexité sinistre de nos songes, où de furieux miroirs nous balancent en cadence la somptueuse noirceur de nos âmes en souffrance, où il est le verbe. En remontant le fleuve. Donc, c'est où, mais qu'est-ce qui se passe? Et ce qui est intéressant aussi, justement, un mouvement aussi, c'est la cadence. C'est le mouvement rythmé. Hein, nous balance en cadence, sachant que les cadences sont aussi la façon dont se termine soit un vers quand on écrit, soit un morceau de musique. Hein, la cadence peut rester ouverte ou fermée, on avait vu dans la fille du coupeur de joint. Bon. Et puis la cadence, c'est aussi ce rythme. Hein. 6 milliards de lépreux qui cherchent leur pitance dans les rues de l'amour en suivant la cadence. Bon, là, on a l'impression que, comme le dit Ovide, hein, l'amour, c'est aussi la vie militaire, hein, militia, donc on va suivre la cadence parce qu'on est un soldat de l'amour. Bon, donc là, la cadence aussi, il ne faut pas non plus qu'elle se fige en un rythme. Bon, sachant que aussi, si on regarde les étymologies latines, en fait, chance, ça vient aussi de cadencia, c'est-à-dire le participe présent au pluriel neutre, du verbe cadere, tomber. La cadence, c'est ce qui tombe. Donc, quelque part, il faut se rattraper. Hein, donc, là aussi, on va essayer de voir un peu. Et donc, quand on arrive à transcender ça, justement, j'endors mes cadences en instance et me balance à ta planète. Donc, il ne faut pas que ça tombe avec la cadence trop brutale. Et à ce moment-là, les dieux sont jaloux de nos corps, nous balayons l'éternité. Où on voit un peu aussi le poème de Emily Dickinson, là, quand elle dit qu'elle a balayé le cœur, qu'elle l'a rangé, ça ne servira plus jusqu'à l'éternité. Et donc là, c'est encore, on n'a pas besoin de balayer le corps, parce qu'on a le corps, et donc les dieux sont jaloux, parce que nous, on balaye l'éternité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire on s'en fout de l'éternité? Enfin, on est là, on a nos corps, ben, l'éternité que les dieux pourraient nous proposer. Est-ce qu'un jour, on va s'en servir, comme nous dit Émilie, ou bien est-ce qu'on s'en moque? Est-ce que l'instant dans lequel on est là, c'est l'éternité? C'est encore un autre problème. Mais là, si les dieux sont jaloux de nos corps, là, c'est des corps en mouvement, les nôtres, parce que les dieux, justement, ben, en gros, c'est des statues. Hein, bon. Donc là aussi, c'est encore la même chose. Rappelons-nous, hein, l'idée, c'est « je te veux dans la prière des dieux suppliant l'humain ». Hein, donc là, oui, la chance tombe, c'est ça. Exactement, c'est un pléonasme parce que c'est les deux à la fois, c'est ça. Ça tombe sur, voilà. Le sort tombe sur quelqu'un, la chance tombe, donc ça nous tombe aussi sur la tête. Je prends des notes sur la chute des tuiles et sur les corps coagulés. Bon, est-ce qu'ils sont coagulés parce qu'ils sont sanglants? Est-ce qu'ils sont coagulés parce qu'ils sont l'un dans l'autre? Au choix. Et tous les textes peuvent se lire comme ça. Donc, tous les mouvements peuvent se... Alors, nous, quand on lit, c'est pas beau ce qu'on fait parce qu'on décortique tout ça, on regarde. Bon, après, moi, ce qui me semble important, enfin, du moins de ma propre expérience,
quand j'entends, ça m'empêche pas, voilà, quand j'entends remontant le fleuve, ça m'empêche pas de me mettre à pleurer quand j'entends jusqu'au berceau final, sous les vanilles en fleurs, jusqu'à l'extrême arcane, jusqu'à l'ultime peur, même si je sais tout ce qu'il y a derrière, ça m'empêche pas de marcher avec le texte et la musique. Donc j'espère que voilà, les gens qui m'écoutent, qui me lisent, ça leur fait pareil et que je ne détruis pas. Enfin, moi, je n'ai pas l'impression de détruire, j'aime bien voir comment ça fonctionne, mais je pense que ça doit laisser intact quand même le côté, voilà, ça nous parle immédiatement, parce que c'est de la musique, c'est de la poésie, donc ça doit quand même nous parler aussi. Même si, voilà, après, c'est intéressant de voir aussi tout ce qu'il y a derrière. Je pensais aussi de déformation. Pourquoi de déformation professionnelle? Non, j'espère que non, justement, hein, parce que bon, c'est, je reste, j'espère garder quand je découvre un texte. Enfin, bon. Après, oui, comment dire, on connaît tous l'histoire d'Archimède et d'Eureka, hein. Moi, il me semble qu'on fait de la recherche pour avoir ces Eureka, parce que sinon, je veux dire, c'est ça le plaisir, je veux dire, ah, c'est ça. Bon. Alors, des fois, ça remonte, je vous dis, le coupeur de bambou, ça m'est remonté récemment, mais en fait, bon, ça faisait, je faisais ça. Mais des fois, justement, c'est ça aussi qui est intéressant quand on fait TFL, parce que ça nous fait casser les frontières, les barrières. Ce n'est pas parce que c'est un conte japonais que la fille du coupeur de bambou ne peut pas être la fille du coupeur de joint. Et c'est ça parce que justement, il aime à 360 degrés. Regardez par exemple un autre mouvement là, justement dans la danse. Vous savez, quand il parle d'Isadora Duncan, hein, qu'il évoque la mort d'Isadora Duncan. Donc vous savez, Alice d'ailleurs, elle a été étranglée par son foulard qui s'est pris dans la roue de sa Bugatti. Donc elle est morte comme ça. Et la chanson s'appelle « La terre tremble ». Et « La terre tremble » et tu t'essuies la bouche. Quoi, est-ce que je suis la bouche quand la terre tremble. Et donc, on va voir dans le, comment ça s'appelle, dans la Bible, dans les proverbes, vous avez un truc qu'on dit, c'est la femme adultère. La femme adultère fait le mal, elle fait n'importe quoi, et, enfin, elle fait ce qu'elle ne devrait pas faire, et puis elle s'essuie la bouche. Et ça fait partie des choses qui font trembler la terre. Donc voilà, à la base, il y a ça. Alors après, ça c'est... Et puis d'un autre côté... Tu t'essuies la bouche, ça pourrait être l'écharpe assassine d'Isadora Duncan. Donc, quelque part, elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Donc, quand on s'essuie la bouche, quelque part, ça peut avoir des conséquences qu'on n'a pas prévues. Enfin, on devrait faire attention. Justement, s'essuyer la bouche, c'est une façon, comme Pilate s'en lave les mains, on va dire. Hein, donc, elle s'essuie la bouche, elle ne regarde pas le mal qu'elle a fait. Bon, et donc, une fois qu'elle s'essuie la bouche, avec dans ce qui pourrait être l'écharpe assassine d'Isadora Duncan, à ce moment-là, voilà, ça peut avoir des conséquences. Ah bon, ben, ça me fait plaisir que ça ne détruise rien. Voilà, c'est assez fabuleux. Notamment, moi, ce que j'adore, c'est la façon dont c'est toujours entremêlé avec les textes sacrés. Là, tout à l'heure, on était les chœurs de l'armée du salut se mettent en transe lorsque tu danses et Dieu téléphone au SAMU pour qu'on le ramène aux urgences. Bon, alors on voit Dieu bon, complètement saisi de pulsions qu'en principe il ne devrait pas ressentir, mais il téléphone au SAMU. Mais justement, dans la Bible, qu'est-ce qu'il fait Dieu quand, pour la vocation de Samuel? Ben, il l'appelle plusieurs fois. Samuel dort, il est tout jeune, c'est un enfant, il est dans le temple, et Dieu l'appelle, Samuel, Samuel. Puis, donc, il ne comprend pas, donc il va voir Élie, donc il est un personnage, parce qu'il ne pense pas que Dieu peut l'appeler. Puis au bout d'un moment, il finit par comprendre que c'est Dieu qui l'appelle, il lui dit, ben, il y a urgence, c'est toi le prophète, tu vas aller, etc. Bon, donc voilà, ça joue avec ces situations-là, et ça, je trouve ça fabuleux, parce que, bon, manifestement, enfin, il a ça en tête, donc ça lui ressort de façon tout à fait spontanée, mais donc ça se remet en place de cette façon-là. De la même façon, ben, la météo, hein, téléphone à la météo, si je crois que j'ai un chagrin, téléphone à la météo, parce que là, quand on a chez Benjamin Perret, téléphone au bon Dieu, mais la météo, c'est ce qu'il y a là-haut. Donc, si je peux téléphoner à la météo, peut-être que Dieu qui est là-haut, il me répondra aussi. Hein. Enfin, c'est, voilà. Moi, je trouve que c'est quelque chose de fabuleux. Alors, ben, on va passer aux questions, Zara, puisqu'on doit être à peu près l'heure des questions. Donc, allez-y. Bonjour tout le monde. Alors, vous m'entendez? Oui, très, très bien. Super. Très bien. Alors, on ne va jamais arrêter de vous remercier de ce travail que je trouve exceptionnel parce qu'en fait, il s'agit de deux disciplines différentes. Ça s'inscrit dans l'interdisciplinaire puisqu'il s'agit de la littérature et de la musique en même temps. Alors, ma première question, c'est, vous avez évoqué tout à l'heure Ulysse et l'exil. Mmh. Est-ce que vous trouvez que pour Tiefen, l'écriture est en elle-même un exil? Puisqu'il a déjà parlé de la fameuse dichotomie de solitaire et solidaire. Oui. Puisque déjà, parce qu'on voyage, vous avez dit tout à l'heure, pour travailler, par exemple, on sort de sa zone du confort. Oui. Est-ce que lui, il travaille déjà sur les mots? Est-ce que pour lui, vous trouvez que c'est déjà un exil, l'écriture? Et ma deuxième question, puisque vous avez, à travers vos conférences, magnifiquement dégagé ce qui est très littéraire de l'œuvre de Tiefen,
Ma question, c'est que là, on peut prendre son œuvre pour un texte à part, littéraire à part entière, un poème. Certainement. Et là, ma question, c'est à propos de la réception de l'œuvre. Le jour quand on était à Cannes, le jour du concert, j'ai vu qu'il y avait vraiment un public de différents âges. Oui. Et ça se voit qu'il y a des gens, des littéraires par exemple, qui prennent son œuvre pour un texte littéraire, d'autres qui sont mélomanes, qui viennent pour la musique et qui sont emportés surtout par la musique. Est-ce que vous trouvez que cette musicalité, puisqu'il est, moi je le trouve omniscient parce que franchement, il écrit, il n'a pas besoin d'un parolier, c'est lui qui écrit ses textes. Et si je le compare par exemple à Grand Corps Malade, il y a la musique, il y a les deux. Il y a aussi le poids de la musique dans son œuvre. Est-ce que vous trouvez que ça peut jouer sur la réception de son texte en tant qu'un texte littéraire? Ah, certainement. Ça, Voilà. certainement, parce que, bon, d'abord, je veux dire, il fait les deux, et d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, quand il écrit, il compose toujours en même temps. C'est-à-dire que quand j'écris mes textes, j'ai toujours une guitare, je note des accords, je note une mélodie, je ne la garderai peut-être pas, mais je veux que ça ait déjà un profil musical, d'où aussi d'ailleurs, bon, là, on n'en a pas parlé ce soir, mais son intérêt pour tous les effets acoustiques, hein, par exemple, c'est des allitérations, il y en a partout, parce que il dit, moi, les textes, il faut qu'ils se mettent en bouche. Il dit, pour moi, ça, c'est vraiment de l'oralité. Il dit, c'est pas fait pour lire des yeux. Bon, c'est quelqu'un aussi, je pense, de par son éducation, parce que comme il a appris à lire le latin et le grec, mais à haute voix, comme si c'était des langues vivantes, donc les textes, il a besoin de les parler. Hein, il dit de la même façon quand il prend un texte en anglais, voilà, là, il est toujours admiratif devant les langues comme l'anglais et l'allemand, qui sont les langues scandées, en disant, il suffit que je le lise, c'est déjà de la musique. Donc, il dit en français, il faut tricher. Donc, tout ça, il l'entend, parce qu'effectivement, le français n'a pas du tout le même système d'accent tonique, donc c'est plus compliqué. Bon. Donc là, ça, c'est quelque chose d'essentiel. Et en plus, comment dire, pour que ça trouve justement le chemin du public, indépendamment du niveau d'éducation du public, de l'âge du public, il y a des gosses qui viennent. Hein, bon. Donc là, puis il y a des gens qui refusent absolument. Enfin, moi, j'ai entendu des gens dire, des conférences, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on ne veut pas casser le spontané. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Mais justement, la musique, je pense que c'est essentiel pour ça, parce qu'on peut chanter en même temps, on peut bouger. Bon. Et comment dire, il y a une richesse dans la musique aussi, c'est-à-dire que la musique n'est pas là uniquement. C'est pour ça qu'il faudra vraiment faire un truc sur la musique. Sa musique, elle est à plusieurs étages. Je veux dire, quand c'est-à-dire que c'est une musique qui s'inspire, une musique de facture symphonique, on va dire polyphonique, dire chaque instrument a quelque chose à dire. Ce n'est pas uniquement de la musique, quelque chose qui est chanté, et puis un accompagnement qui reproduirait la mélodie. Hein, parce que bon, ça, ce n'est pas le genre de choses qui lui vient. Bon, ce qui était... Lui, il dit, moi, en fait, je viens du chant grégorien, c'est-à-dire donc, c'est pour ça d'ailleurs la clarté de sa diction et le fait qu'il chante sans vibrato, parce qu'il a appris à chanter comme ça. C'est pas c'est pas le chant romantique, ça vient du grégorien. Et puis, donc, justement aussi, toute la musique rock, c'est-à-dire l'importance de l'instrumental. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la fin des chansons, vous avez des fois, en musique, ça peut durer plusieurs minutes, enfin, lui est plus sur scène. Donc, il y a une dimension musicale qui est essentielle. Il y a des gens qui viennent pour écouter aussi le guitariste, le saxophoniste. Oui, bien entendu. Hein, là, ça, c'est quelqu'un qui... Et comme il disait, sa définition, il dit, moi, il souscrit à la définition de Léo Ferré qui disait, ce qu'on appelle la chanson, ça devrait être des textes de Victor Hugo sur une musique de Beethoven. Donc, Ouais. en gros, voilà, ça Vous devrait... l'avez déjà évoqué Voilà, tout à dans les fait. conférences Voilà, hein, c'est ça. précédentes, ouais. Hein, voilà, hein. Donc, ça, moi, Ouais. je trouve que c'est une belle définition. Hein, c'est-à-dire que la musique, elle doit avoir de l'ampleur. Il ne doit pas y avoir que le texte. Et moi, je trouve aussi, pour rester dans un truc plus technique, enfin, pour le lecteur de Nietzsche qu'il est, quand Nietzsche dit dans la naissance de la tragédie, il y a l'art apollinien et l'art dionysiaque, c'est-à-dire l'art apollinien qui est mesure, rythme, tout qui se calcule, bon, et puis l'art dionysiaque qui est le déchirement, l'emportement, on ne sait plus qui on est, etc. Bon, il est évident que dans l'œuvre de Tiefen, pour parvenir au dionysiaque, c'est avec la musique que ça se fait. Hein. Et on voit, ce que je trouve assez fabuleux dans les concerts, c'est qu'on voit une salle entière entrer en transe. Exactement. Et ce qui est quand même, voilà, avec des textes, oui, qui ne sont pas de... Alors, est-ce qu'au moment où ils rentrent en transe, ils font abstraction du texte? Ça, c'est difficile à dire. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'après, il y a un élan qui fait qu'on est emporté. Bon. Après, ça dépend aussi, je pense, de, comment dire, peut-être aussi du bagage musical des gens, comment dire, du caractère habituel qu'a pour eux la musique. Comment vous dire, bon...
moi qui ai toujours fait de la musique, quel que soit l'endroit où je suis, quand j'entends un rythme, je ne peux pas ne pas le battre automatiquement parce que je l'entends. Donc, j'ai automatiquement, même si je rentre dans un magasin, enfin, je veux dire, j'entends de la musique, même si c'est nul, je prends le rythme parce que j'entends le rythme et que j'ai envie de bouger sur ce rythme. Bon. J'ai rencontré des tas de gens qui ne comprennent pas qu'on ait envie de bouger sur un rythme. Bon. Donc, tout existe sur Terre, hein, heureusement. Mais voilà, donc ça dépend. Mais il y a des gens qui vont écouter Tiffany et qui ne bougent pas. Hein. Je ne dis pas par là qu'il faut bouger dans tous les sens. Personnellement, moi, j'ai tendance à bouger quand même. Enfin, j'aime bien bouger. Mais bon, après, quand on est assis, on bouge moins. Mais je trouve que, oui, la musique, c'est quand même un appel au corps, la musique. Enfin, me semble-t-il. Hein. Enfin, c'est la musique, le théâtre, tout ça. Enfin, on met son corps en jeu aussi, pas uniquement. C'est, par contre, alors, ce qu'il a toujours dit, ça ne serait pas du tout la personne qui ferait des disques et puis qui ferait que du studio. Non. Parce que, ouais. Il dit, ça se finit sur scène, il faut qu'il y ait ça. Et puis, ben, la scène, c'est extrêmement inspirant, justement, parce qu'il va changer tel ou tel truc. Bon, à tel moment, il a l'idée de faire ça, les musiciens aussi, hein, parce qu'ils font de l'impro. Si vous faites plusieurs concerts, c'est jamais exactement de la même façon. Hein, donc, c'est ça qui est important aussi. Bon, il y a une structure générale, bien évidemment. Mais après, chacun après, ils peuvent improviser, ben, justement, les cadences plus ou moins longues, les refaire. Donc, c'est une nouvelle aventure tous les soirs. Bon, donc, oui, je pense qu'on a besoin de la musique. Enfin, la musique, c'est un élément... la musique, c'est la mort qui s'invite dans la danse. Merci beaucoup. Il y a peut-être d'autres questions. On est... Oui, vas-y. Oui, bonsoir. Vous m'entendez ? Très, très bien. Bonsoir, alors merci beaucoup pour cette conférence, encore une fois. Je voulais savoir, Tiffaine, dans une interview, j'avais noté une petite citation, je ne l'ai pas retrouvée, il faudrait que j'essaie de la retrouver pour éventuellement vous la transmettre. Lui-même dit que le mouvement, ce qui l'intéresse, c'est le mouvement, donc il l'a dit dans un interview. Et je voulais savoir, et je l'ai lu ou écouté ou entendu, je ne sais plus, s'il y a un rapprochement à faire avec l'importance du mouvement dans dans la Beat Generation. Oui, bien entendu. J'ai cru comprendre que le mouvement était très important et je voulais savoir donc quel parallèle il y aurait à faire donc avec ce courant. Tout à fait. Ben, de toute façon, vous l'avez déjà. Je ne sais pas si vous vous rappelez la tournée 2015-2016. Avant de chanter justement Erré au Manonès, il disait hommage au poète de la Beat Generation. Donc c'est cette idée de toujours bouger, toujours plus loin à fond la caisse. Bon. Et puis donc il le dit alors de façon plus technique. Hein. Ça c'est une interview de 2015 où il dit en fait pour moi la poésie moderne. Donc il y a comment il s'appelle. Donc il y a Rimbaud. Bon, il dit parallèlement il y a Lautréamont. Bon. Ensuite on a les surréalistes. Ensuite, on a la Beat Generation. Enfin, il dit, moi, je pense qu'il faut penser comme ça. Et après, bon, il y a lui qui arrive par-dessus. Donc, il se voit dans cette filiation-là, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire, voilà. Donc, avec l'idée, parce que, bien entendu, la Beat Generation, elle s'est accrochée à Rimbaud tant qu'elle a pu, hein, puisque, bon, c'était vraiment le prototype, parce que c'est, vous savez, quand vous lisez au début de Sur la route, justement, où il dit... On était là, on sortait dans la rue, on dansait, on allait n'importe où, on ne savait pas ce qu'on faisait. Il dit, mais comment on appelait ces jeunes dans l'Allemagne de 1760 ? C'est-à-dire qu'en fait, la Beat Generation, elle se voit comme reprenant, Tiefen en parle d'ailleurs dans les Confessions de Neverbien, le Sturm und Drang. Hein, c'est-à-dire orage et passion, violence et passion, c'est-à-dire rupture avec la société, une vie délibérément marginale contre les conventions, et puis donc on est jeune, on y va, on se lance, etc. Bon, donc vous avez le jeune Goethe qui est comme ça, le jeune Schiller. Bon. D'ailleurs, il reprend ce qui est assez le début, là, vous savez, Boulinguer, Erré, etc. Bon, c'est dans les brigands de Schiller, où les brigands se présentent comme ça. Les brigands de Schiller, c'est une histoire aussi de fils qui règle ses comptes avec son père. Bon. Et donc la troupe des brigands, quand ils arrivent, ils disent Saufen, Fressen, Huren, Balgen, donc avec tous ces infinitifs qui suivent. Et donc ça veut dire, boire, mais au sens, c'est le mot vulgaire, Saufen pour ça, Fressen, bouffer. Huren, donc c'est baiser, Balgen, c'est se battre, bon. Et avec ces infinitifs comme ça. Le Sturm und Drang, c'est aussi ce que retrouvera après l'expressionnisme, c'est-à-dire ce langage explosif et la Beat Generation aussi, qui va jouer avec ces combinaisons de mots. Hein, quand on voit après la façon dont les mots doivent exploser justement et renoncer au lien logique,
Et donc là, vous l'avez, donc avant l'Otriamon et Rimbaud, vous l'avez déjà dans le Shtomondrang. Donc là, dans cette interview-là, il ne le dit pas, mais je veux dire, il en parle de Shtomondrang. Hein. Vous vous rappelez, je crache dans ma tête les vapeurs d'ammoniac d'un Shtomondrang sans fin au bout du Neverbeard. Et donc ça, c'est fabuleux, parce que le Shtomondrang, c'est la révolte. Hein. Le Shtom, c'est aussi la tempête. Le Drang, c'est aussi tout ce qui vient de nous, enfin, ces pulsions irrationnelles. Bon. Et par contre, quand c'est les vapeurs d'ammoniac, alors là, c'est rigolo parce que c'est Albert Cosri qui dit ça, donc l'auteur égyptien de langue française. Si vous avez l'occasion de lire Albert Cosri, enfin, je reviens toujours là-dessus, mais je trouve que c'est tellement fabuleux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Odile, mais moi, c'est Albert Cosri. Moi, je trouve que c'est fabuleux. J'avoue que je ne l'ai jamais lu. Ah, regarde, si tu as l'occasion. Donc, je le note. C'est en deux volumes, hein, c'est tout, c'est, ouais. C'est fabuleux. Vraiment, c'est... Non, je n'ai jamais lu. C'est-à-dire qu'en fait, égyptienne de langue française qui a passé toute sa vie dans une chambre d'hôtel à Paris, qui est mort très, très, très âgé. Et donc, lui, il dit, voilà, l'ammoniac, c'est les vapeurs de la révolte. Donc, il met en même temps, dans la même phrase, donc le Sturmundrang, la révolte des jeunes Allemands en 1760, et Albert Cosri au XXe siècle, donc égyptien francophone qui écrit des romans. Donc, je crois que c'est Joël Losfeld qui a deux volumes. C'est pas grand-chose, c'est des romans qui sont relativement courts, mais c'est... Je trouve ça assez fabuleux. Oui, je connais son nom, mais... Voilà, mais je trouve ça vaut le coup. Et donc voilà, après, vous avez dans la Beach Innovation, donc ces jeunes qui partent, qui, voilà, quand tu peux trop speeder pour les douceurs, on balance vite les petites frangines. Enfin bon, c'est cette idée, voilà, on s'en moque, on fait ce qu'on a envie de faire. Bon. Et donc, cette idée d'être en révolte. Après, comme il dit, en citant cette fois-ci George Bernard Shaw, en disant, il dit, il n'y a peut-être plus beaucoup de gens qui le connaissent aujourd'hui, mais il dit, pas être révolutionnaire à 20 ans, c'est idiot, mais être encore révolutionnaire à 40 ans, c'est aussi idiot. Enfin, après, il y a des âges pour tout. Quoi. Donc, c'est vrai, voilà, c'est quand on est jeune, voilà, c'est un mouvement de jeunesse. Hein, c'est évident. Bon, Rimbaud aussi, il s'arrête très tôt. L'Otriamon, il meurt tôt. Donc, voilà. Et la Beach Innovation, on les voit figés hein, dans cette jeunesse. Après, bon, c'est compliqué. Quoi, hein, bon. Bon, donc, il y a, comment il s'appelle, Jacques Kerouac. Bon, après, tous ces auteurs de cette génération. Donc, là, où il leur a appris, alors vraiment, le catch-up, le fall-in, donc ça… Avec Burroughs, donc ça, avec Burroughs Magazine, donc ça, c'est vraiment des gens qu'il a fréquentés, mais vraiment, enfin, pour la caisse, hein, on pourrait dire. Après, en le mélangeant, parce que par exemple, quand il fait un automne à Tanger, bon, où il parle de Burroughs avec les garçons sauvages, mais au-dessus, il met Antinous Nostalgia, donc là, on est chez l'empereur Adrien, chez Antinous qui s'est noyé dans le Nil, alors là, c'est dans l'automne à Tanger qu'on se noie dans la mer. Bon, après, voilà, c'est ça, moi, je. Vous dites, moi, le texte, moi, qui m'a fait dire, voilà, oui, il y a tout dedans, c'est Pulkemes Qualité qu'il a quand il est de retour à Tenochtitlan et qu'il s'écroule, enfin, je l'ai déjà dit, devant le terminal des bus à Mexico City. Et en fait, c'est comme ces deux trucs différents, mais c'est la même chose. Et ça, c'est directement chez William Burroughs. Hein, c'est pas au-dessus du volcan, mais c'est William Burroughs, la machine molle, le ticket qui explosa. Et là, vous avez Alors là, vous avez des combinaisons de mots. Il n'y a pas de structure logique. Il y a plusieurs versions. Enfin, quand vous les prenez, vous ne savez même pas quelle est la bonne version. Eux, ils s'en foutaient d'ailleurs complètement. Bon. Et ça, alors, Stéphane le dit après, les textes, alors au début, d'un concert à l'autre, ça peut changer. Bon, après, l'édition, bon, ça finira certainement, je le souhaite. Hein. Après, il faut que parce que ce sont des poèmes, en fait. Ça, mais après, bon, le problème, c'est que, à mon sens, c'est compliqué de les couper complètement de la musique aussi. Il faut le rappeler, il faut les avoir dans sa tête. Bon, je ne sais pas comment ça vous fait, vous, quand vous les lisez, mais moi, quand je les lis, automatiquement, j'ai la musique dans la tête parce que la musique, je la connais. Je ne peux pas lire ces textes sans les entendre parce que, bon, la dimension musicale y est quand même. Bon. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, peut-être qu'après on peut le prendre comme ça. Enfin, c'est sûr qu'il manque quelque chose quand même si on enlève la musique, parce que bon, c'est des textes. De toute façon, il faut les parler, ces textes. Hein. Enfin, ça, c'est certain. Ce n'est pas des textes pour les yeux, c'est comme dans l'Antiquité. Enfin, la lecture se fait à haute voix et ce côté de l'oralité, c'est quelque chose qui, à mon sens, est absolument tout un dominant. Donc non, on peut pas enlever la musique, on a vraiment besoin. Enfin, on peut pas vivre sans ça. Enfin, l'œuvre ne se construit pas sans ça. Hein. Nous sommes. Bien entendu, hein, ça vous avez tout à fait raison, le jeu de l'oralité, hein, c'est-à-dire tous les sens, après, nous, on fait comme on entend, hein, descendre dans la soufflerie où se terre le mystère inquiet, est-ce que vous entendez descendre, le verbe descendre, vous entendez des plus loin descendre.
Et à ce moment-là, ça devient un texte sur les victimes de l'Holocauste, sur tout ça, c'est tout à fait possible. Alors, les AED aussi, c'est l'oralité, oui, bien entendu. Hein. Dans le blanc des sommets des montagnes perdues, retrouver l'équation de mon nombre inconnu. C'est le nombre qui est inconnu ou c'est mon nombre à moi, comme il poursuit son nombre inachevé, il détruit son nombre inachevé, il poursuit son puzzle déglingué. Bon, donc c'est l'ombre qui est inconnu ou c'est le nombre ? On ne sait pas. Et là, en fait, il réunit ça, c'est Mallarmé qui l'a fait dans Un coup de Déjamin abolira le hasard, où dans le texte de Mallarmé, vous avez un coup le nombre inconnu et un coup l'ombre inconnue. Stéphane, il contamine les deux, enfin, au sens linguistique du terme, mais justement parce qu'à l'oral, ça ne se distingue pas. Hein, donc là, c'est après à nous de décider, ou de ne pas décider. D'ailleurs, il faut l'avoir dans la simultanéité. Je pense qu'il faut se dire qu'il faut les écouter, comme quand on écoute de la musique et ça ne gêne pas que le saxo joue en même temps que le piano. Ben là aussi, c'est pareil. Il faut s'habituer à sortir de l'univoque, de l'unilatéral. Moi, je pense que c'est une éducation fabuleuse, justement, parce que ça casse les choses. Excusez-moi. Je vous en prie. Je vous entends plus. Je vois plus, vous êtes figé là pour le coup. Bon, dans Annihilation, oui. Le passage dit j'ai toute la nuit. Alors, je ne sais jamais s'il dit j'ai toute la nuit dansé derrière les persiennes, les cris ont résonné dans ma mémoire indienne, ou j'écoute la nuit danser derrière les persiennes, les grillons résonnaient dans. Je ne sais jamais quelle est la bonne. J'écoute la nuit danser derrière. Quelle est la bonne. Ouais. J'entends les deux. Oui, oui, on peut entendre les deux. C'est vrai que des fois, on ne sait pas. Et puis même lui, c'est pas évident, mais tout à fait. Oui, oui. Voilà. Ouais. Dans ma mémoire indienne. Et la mémoire indienne, là, c'est le... comment il s'appelle Takaouchte, là, de mémoire indienne, où c'est justement... voilà, qui raconte tout ce qui est arrivé aux Indiens d'Amérique. Enfin, là, c'est un sujet qui lui tient vraiment à cœur. Et il a fait une place dans toutes ses chansons. Et ça, moi, je trouve ça assez fabuleux, enfin, la richesse, la façon dont l'éventail se déploie, et puis la façon dont il y a quand même des points fixes, des articulations, je rattrape parce que je n'en ai pas parlé l'autre fois quand on était avec Borges dans les labyrinthes, bon, je n'ai pas remis de labyrinthe ce soir, mais quand il dit dans Reykjavik, je me vois enfermé dans le glacé d'un labyrinthe, vous avez le film qui est à la fois un film d'horreur, un thriller, un film onirique italien qui s'appelle L'œil du labyrinthe. Et c'est, donc si vous avez l'occasion de le voir, c'est un film de 72, des archives, je ne sais pas. Donc c'est l'histoire d'une fille donc, qui est la patiente et la maîtresse d'un psychanalyste, et en fait elle rêve qu'il est tué dans un labyrinthe, et comme il disparaît, elle pense donc que quelqu'un lui a réglé son compte, et donc elle va se livrer à une enquête, enfin donc c'est un mélange, tout bêtement L'œil du labyrinthe. Donc, c'est un film italien, donc c'est en italien, mais après, c'est L'œil du labyrinthe. Donc là, quand je me vois enfermée dans l'œil glacé d'un labyrinthe, sachant que Reykjavik, ça parle aussi d'histoire d'amour, enfin de rapprochement amoureux, sexuel, etc. Hein, je suis là, je me demande, en regardant les heures, si je dois bien attendre ici ou repartir ailleurs. Donc, il y a cette attente-là. Bon, il y a des choses qui sont fabuleuses. Alors là, sur Reykjavik, j'ai fait une découverte, mais alors là, je suis absolument sûre que ça... Je suis pratiquement sûre que ça n'a pas été conscient de sa part, mais il y a un poème romantique allemand de Eichendorff qui s'appelle In Danzig. Donc à l'époque, c'était Danzig puisque ce n'était pas Gdansk, c'était allemand. Et ça a été mis en musique par Fitzner. Et si vous avez l'occasion de l'écouter, cherchez-le sur YouTube. Donc ça s'appelle In Danzig. Et c'est exactement, donc vous avez la description de la ville nordique et puis cette atmosphère complètement envoûtante, etc. Et on dirait, on a l'impression d'être à Reykjavik. Donc ça s'appelle. J'arrive pas. Voilà, donc l'auteur c'est Eichendorff. Son prénom c'est Joseph von Eichendorff. Et le type qui a fait la musique c'est Hans. J'ai les pattes qui. J'ai trop parlé, alors après je ne maîtrise plus mes pattes avant. Voilà, musique de Hans Fitzner. Donc, vous le cherchez sur YouTube, vous allez le trouver. Et les gens qui ont entendu Reykjavik, vous allez voir à quel point il y a cette ambiance totalement envoûtante, ce truc. Enfin, c'est assez fabuleux. Mais là, alors, c'est une rencontre. Je pense pas que c'est quoi que ce soit d'intentionnel. Mais vous avez voilà, la ville comme ça et d'être dans une ville du Nord.
dans la nuit, on ne sait pas où on est, etc. Et d'un coup, ça ouvre sur des dimensions tout à fait différentes. J'ai trouvé ça assez fabuleux. Enfin, moi, Reykjavik, je trouve dans les concerts, je trouve que c'est un sommet. Et voilà, donc et il est vraiment ancré dans cette tradition, et ce qui est intéressant, parce que les arrangements sont vraiment dans le sens de la musique romantique, ils ont travaillé sur le choral, et donc voilà, inconsciemment peut-être, parce que des fois voilà, les choses se rencontrent aussi, voilà. Donc c'est une découverte voilà, qui est différente, enfin, qui est pas, voilà. Mais regardez, par exemple, je finirai là-dessus, mais ça n'a rien à voir, mais ça me vient à l'esprit comme ça pour dire la façon dont il réunit les choses et dont le langage arrive à faire… Ça fait comme un court-circuit. Vous avez… comment s'appelle ? C'est dans 113e cigarette s'endormir, qui dit à la fin « Arsenic is good for you ». Bon, il a fait ça, il dit « J'ai pris le slogan de la bière Guinness, and Guinness is good for you ». Et donc, il balance ça aux gens, avec toutes les filles qui se tordent devant la scène. Sachant que arsenic, ça vient du grec, donc arsenikos, ça veut dire masculin. Donc, ce qui est masculin, c'est beau. Mais si vous lisez chez Kawabata, donc dans un, donc toujours le même, donc celui qui meurt en 72, donc bien antérieur, donc dans un de ses romans, je crois que c'est Tristesse et beauté, il y a une très belle édition chez Quarto, chez Gallimard, avec beaucoup de romans de Kawabata, et autrement, ils sont tous en poche séparément. Et donc, c'est l'histoire d'une jeune femme. Donc, il y a connu une déception amoureuse, donc elle ne veut plus entendre parler des hommes. Hein. Et sa mère lui dit, mais tu sais, ma fille, tu devrais quand même essayer. Parce que l'homme est un poison pour la femme, mais un poison qui lui fait du bien. Et donc, le texte de Tiefen, il contamine les deux. L'arsenic, c'est bon pour vous, que ce soit le poison, que ce soit l'homme, c'est pareil. Vous voyez, après, la réécriture poétique, bon, c'est énigmatique, c'est forcément comprimé. Donc, ça reprend la formulation qui sépare les deux. Parce que, bon, je n'ai pas lu Kawabata en japonais, mais je suppose que, bon, que la traduction est fidèle, enfin, que ça doit être bon. Donc, voilà. L'homme est un poison pour la femme, mais un poison qui lui fait du bien. Donc, l'arsenic, c'est bon pour vous, sachant que arsenikos en grec, ça veut dire masculin, viril, tout ce qu'on veut. Donc, arsenic is good for you. Et bien entendu, alors là, on voit qu'on a besoin de la scène. Parce que, bien entendu, il rigole quand il balance ça au public avec toutes les filles qui se tordent devant. Donc, il y a cette ironie aussi qui lui échappe des fois. Je ne sais pas si vous vous rappelez les ombres du soir à l'Olympia. Si vous avez l'occasion, allez voir sur YouTube donc les ombres du soir, mais Olympia 2012. Hein. Moi, ça fait j'étais là, mais j'ai jamais vécu un truc comme ça en concert. C'est vraiment là, on se dit vraiment, il y a des gens, ils savent des trucs, ils savent faire des trucs où nous, on n'arrive pas. Quoi. Je veux dire, on a vraiment un truc. Parce que là, vous avez, bon, c'est un truc magnifique, vous avez une interprétation magnifique, mais ça dépasse toutes les interprétations des ombres du soir qu'on a pu voir. Et à un moment, donc, il dit j'ai vu pas mal de filles tomber, souvent la va du haut du pont, et faire semblant de se noyer en chevauchant leurs illusions. Et comme à l'Olympia devant, les filles étaient complètement en furie et déchaînées, donc il se baisse, il fait comme ça, en chevauchant vos illusions, il leur tire la langue. Et comme ça, il repart dans son truc. Mais voilà, donc ça montre que vraiment la scène, ça fait des... Voilà. C'est vrai qu'on n'est plus soi-même quand on est sur scène. Après, ça amène des choses qui sont dans une... Voilà. C'est-à-dire que la situation scénique, elle est... il le dit d'ailleurs, il dit l'énergie du public, on s'en nourrit. Et c'est ce qui fait qu'on en a encore plus et qu'on lui en redonne. Donc, en fait, il y a un mouvement d'échange. Et donc, voilà. Donc, c'est assez... voilà. Mais bon, après, on peut... Merci hein, d'avoir tout ça. Mais vous savez, transcender l'espatio-temporalité, c'est pas moi, c'est Tiefen. Hein. Moi, je ne transcende rien. Moi, j'essaye d'aller sur ces traces. Mais c'est vrai que, comment dire, c'est passionnant. Quoi. On ne s'en lasse pas. Quoi. Donc, on fait... Et après, on est... voilà, c'est un voyage. Alors là, il y a du mouvement. Voilà, c'est un voyage dans la tête aussi. Hein. Bon, je ne me rappelle plus qui avait fait le voyage autour de la chambre. Là. Vous voyez pas ce que je... Je ne trouve plus le nom d'auteur. Mais enfin, voilà. Donc, on peut voyager. Voilà, c'est ça. Donc, c'est... Mais en fait, le mouvement, c'est cette écriture et cette appréhension à 360 degrés dont il parle. Il n'y a pas d'orientation, ça s'orienter. Non, il n'y a pas d'orientation. Toutes les orientations possibles, et ça, voilà. Il balaye. Et parfois même, je trouve qu'il a des visions presque enfin, on visualise, par exemple, je pense à une chanson, donc Amant Destroy. Donc, oui. Il commence par une scène entre deux personnes. Oui. Voilà.
Donc, c'est vraiment, on est vraiment là dans le détail et dans le, oui, voilà, tout à fait. C'est trivial même. Donc, oui. Et ça se termine par les quasars, les quarks, les, oui, enfin, les fusibles du hasard entre les quarks, entre les quarks, les quasars. Oui. Les quasars. Oui. Et, enfin, voilà. Et on visualise le, oui, le zoom. Je sais pas, oui, oui. Alors qu'au début, arrière, vous avez la fille scratchée sur la banquette arrière d'un cabriolet. Voilà. Donc, on a l'impression, voilà, que c'est totalement trivial. Voilà, tout à fait. Mais complètement, après, oui. Je pense à ce, voilà. Sur les, voilà. Et là, il y a vraiment un, oui, mouvement. Oui. Saboter l'œil universel, faire payer ses grotesques erreurs. Et donc, on part dans... Voilà, c'est ça, exactement. On part de la chose la plus triviale possible, hein, un type et une fille sur un parking la nuit, et puis, on arrive sur ce... Ouais, tout à fait. C'est ça qui est... Voilà, on fait ces voyages-là, et effectivement, moi, je pense, c'est la possibilité de... Il le dit, il faut tout regarder, tout est intéressant, parce qu'on peut en tirer, justement, la possibilité de cet élargissement... Ah oui, les fusibles du hasard entre les quarks et les quasars, c'est fabuleux à cet endroit-là. Oui, hein, oui. Parce que du coup, un truc tout bête, en fait, je veux dire, entre deux personnes, bon, la fille qui veut prendre l'ascendant sur le type, et ça se place comme ça, dans une perspective. Oui, oui. Il replace, et donc, oui, voilà, donc c'est une sorte de dynamique comme ça qui est extraordinaire, vraiment. Oui, enfin, c'est très jubilatoire. Enfin, ah oui, oui, tout à fait. Oui. Sous la rumeur des immortels, ça se passe, un truc aussi. Hein, c'est, voilà. Ouais. Alors, moi, depuis le début, je t'entends parler de catastrophe. Et, en fait, on peut dire que ce sont deux mouvements inverses que la catastrophe qui descend en tournant. Oui. Et anabolée, et l'autre, voilà, c'est ça. Monte en flèche, en quelque sorte, comme une flèche. Et c'est rigolo de penser que. Strophaios, par exemple, c'est l'adjectif qui est attribué à Hermès parce, oui, qu'il fait tourner les portes et qu'il fait tourner les mots. Voilà, c'est ça. Donc, oui, sur la Strophaios, oui, sur cette même racine de oui, ce qui tourne. Ce qui tourne. Ça va, oui, en t'entendant, je trouve que ça va très bien, Tiffaine, mais peut-être que c'est une projection de ma part. Non, non, mais c'est vrai, tout à fait. Il fait tourner les portes et les mots. Oui, ouais, il fait tourner les portes et les mots, c'est exactement ça. Et puis, comme il le dit, c'est le psychopompe aussi, hein, dont il parle. Donc, on a cette dimension-là, hein, parce que bon, ça ouvre sur le... Ah non, je trouve que c'est... Voilà. Après, on en a certainement tous. Après, là, on est tout à fait légitime de dire, moi, dans cette chanson-là, je veux voir ça plutôt que ça. On a tout à fait le droit. À mon sens, il faut quand même se dire, voilà, il y a plein d'autres choses aussi. Après, j'ai la légitimité de ma lecture, je peux me... voilà. Mais je pense que ce qui est très important aussi, c'est de se rendre compte de l'unité absolue du corpus. Parce que ça, c'est quand même essentiel. D'ailleurs, vous avez vu, certaines fois, je dis un truc et puis je veux dire, après, je suis dans une chanson, je pars sur une autre, là, qu'il y avait ce vent brûlant de tendresse féminine et puis dans ton souffle éthéré de douceur féminine. Donc, ils sont deux chansons qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais après, c'est le voilà. Et ça, vraiment, cette écriture codée, je vous dis, là c'est vraiment le romantisme allemand qu'il a parfaitement assimilé. Eh bien, merci. Eh ben, il faudra le connaître, Tiffen, il faut aller l'écouter. Maintenant, si vous ne le connaissez pas, il faut y aller, il faut, voilà, faut le découvrir en concert, parce que je crois que tant qu'on ne l'a pas vu, il manque quelque chose à l'appréhension de son œuvre. Bon, c'est sûr qu'en un concert, on n'a pas tout, on dit toujours pourquoi il n'a pas fait ça, pourquoi il n'a pas fait ça, mais bon, là, il y a une setlist qui est magnifique. Donc, ça vaut le coup. Et moi, j'en profite. Oui, oui. Je trouve qu'il y a une dimension qui est très importante chez Tiffen et qui est vraiment, je trouve, dans la façon... Enfin, que j'ai de l'appréhender, enfin je trouve que c'est génial, c'est son humour, pas que l'ironie, enfin il y a vraiment c'est l'humour, oui, mais il y a souvent des choses à dire sur son humour, différents types d'humour, je sais pas, mais alors je trouve parfois c'est vraiment très très drôle et je ris beaucoup aussi en écoutant. Oui, bien sûr, mais c'est incroyable. Oui. Ça, c'est ça vraiment, c'est l'humour, c'est aussi, bon, Guy Debord le dit aussi, hein, le meilleur moyen de détournement, c'est le calembour, parce que ça a l'air tout bête, mais ça ouvre sur des choses qui justement, vont beaucoup, beaucoup plus loin. Oui, c'est sûr. Mais d'ailleurs, regardez, en fait, je veux dire, le calembour qu'il fait, dans les Alligator 427, bon... quand il dit « je sais que désormais vivre est un calembour, la mort est devenue un état permanent bon, », mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? En fait, aussi un rapport sexuel qui cale justement, donc c'est cale, plus loin, Hambourg, B-O-U, 2-R-E,
Vivre est un calembour, justement, parce que là, ça coince à ce moment-là. Enfin, le texte, si vous le lisez sur l'autre niveau, ça donne ça aussi. Mais les alligators 427, vous avez aussi la voiture de Shelby, qui est une Cobra 427, donc là, il amène alligator. Enfin, vous avez tellement de... Voilà. Après, c'est totalement vertigineux, parce que ça rentre, parce qu'il, c'est pour ça qu'il dit qu'il passe des heures, même sur un mot, on peut passer des heures, parce qu'il faut qu'il colle avec toutes les possibilités. Donc, il travaille ses textes, retravailler, réécrire. Il dit, voilà, j'aime bien cette image quand il dit, je fais ça comme le menuisier qui rabote la pièce jusqu'à ce qu'elle rentre. Donc, c'est de l'artisanat aussi à ce niveau-là. Hein, c'est pas le... D'ailleurs, c'est pour ça, c'est quelqu'un qui vient pourtant du surréalisme, mais il dit, l'écriture automatique, ça ne marche pas. Hein, il dit, ça donne peut-être un truc. Mais après, il faut retravailler. Il faut travailler. Il n'y a que le travail qu'il fait. Hein, Et vous savez, comme il s'appelle Valérie qui disait « Les dieux nous donnent le premier verre et puis après, il faut se débrouiller pour le reste. » Ouais, bon, c'est un peu ça, voilà. S'ils sont gentils, ils vont peut-être nous les donner, mais peut-être même pas. Hein, donc, c'est à nous de les faire, les choses. Bon, après, c'est… Voilà. Mais écoutez, je vais vous remercier très, très fort. Merci à toi. Vraiment, c'est toujours passionnant. Ben, c'est des belles découvertes. Donc, j'espère qu'on pourra se revoir à la rentrée pour en faire d'autres comme ça. Hein, donc, si pendant l'été, vous avez aussi des idées, enfin, pendant l'été, n'importe quand, hein, si vous avez des idées de sujets hein, aussi, hein, là, ça sera vraiment... ça m'intéresse aussi, parce que ce qui est aussi facile, que les gens aient envie d'entendre parler de ça ou de ça, ça me plaît aussi. Bon, pour l'instant, on est donc sur cet album-là. Après, bon, quand tu auras l'album 19, on aura encore de nouveaux trucs. Mais de toute façon, je vous dis, l'an prochain, là, à partir de début 23, commencera sur la nouvelle tournée. Là, il y aura aussi de nouvelles combinaisons avec qu'est-ce qu'il va choisir dans la setlist de la deuxième tournée, hein, la Replug. Qui ne passera pas dans le sud-est. Donc là, il faudra aller à Montpellier. Enfin, c'est pas trop loin, Montpellier, mais bon, voilà. il viendra pas là dans le sud-est. Mais bon, oui, mais c'est ça, c'est des trésors. C'est vraiment une chasse aux trésors, la recherche sur TFN, comme vous dites, Myriam. Hein, c'est vraiment des. Voilà. Après, il faut chercher tout seul. Mais je veux dire, c'est vraiment le détail. Regardez la ruelle des morts quand il dit, on nous disait que Barberousse avait ici sa garnison. Bon, si vous allez à Dole, vous avez effectivement là où était effectivement l'empereur Barberousse, il était là. On sait qu'il y a été, il n'y a pas de problème, c'est une ville d'empire, il n'y a aucun problème. Sauf que garnison, bon, on a vu que la ruelle des morts, on peut entièrement la relire sexuelle ben, pour d'autres éléments, mais ben, la garnison, en ancien français, c'est les organes sexuels. Hein. Et donc, il avait vaincu des dragons. La cambrousse, ben, c'est le, comment dire, c'est aussi la chambre, hein. Ou c'est la chambrière, c'est-à-dire la femme. Donc, on est directement là-dedans. Mais sans faire violence au mot, il prend des mots qui vont pouvoir, dans l'assemblage, dans l'agencement qu'il va choisir, qui vont pouvoir varier leur sens et tout ça. Moi, je trouve ça assez fabuleux. Ça fait un travail énorme. Parce que, je veux dire, on se régale à retrouver tout ça. Et puis, alors, on se retrouve, même de retrouver tous les trucs d'anciens français, des trucs comme ça, qu'on a vaguement su un jour, mais qu'on a peut-être oublié, donc on se redit, tiens, mais au fond, c'est vrai que... Parce que ça, il le dit, hein, il dit, moi, c'est des trucs au XVIe siècle, au XVIIe siècle, ça voulait dire ça, donc ça, et donc on dit autre chose. Hein. Ben, j'en ai déjà parlé plusieurs fois de cet exemple, hein, manufacture de recyclage des mélancolies hors d'usage. Donc nous, quand on dit c'est hors d'usage, il n'y a pas de problème, à la poubelle. Mais quand Montaigne dit hors d'usage, il veut dire exceptionnel. Ce n'est pas usuel, inusité. Donc après, qu'est-ce qu'on en fait, nous, nos mélancolies hors d'usage? Est-ce qu'il faut aller voir la manie de Falloïde parce qu'on est exceptionnellement mélancolique ou qu'on est tellement décatique que bon, on n'a plus que ça et qu'on peut pas... On peut faire ce qu'on veut. Hein. Donc dès le début, on est dans l'ambivalence, dans les doubles pistes, triples pistes, etc. Donc c'est ça, moi, je trouve incroyable. Et par contre, il n'y a pas de piège, je veux dire, ce n'est pas le truc. Le texte est suffisamment consistant pour vous porter malgré toutes les possibilités de lecture. Vous savez, quand le texte est inconsistant, enfin, moi, dans mon métier, ça arrive des fois, hein, quand des fois, par exemple, on rappelle une année au programme de l'agrégation, donc je faisais le cours, il y avait un truc du Moyen-Âge, mais le texte, c'était une compilation, mais c'était totalement inintéressant. À part raconter le contenu, mais comment vous voulez faire si le texte ne vous porte pas? Vous voyez ce que je veux dire? Les textes de TFN, ils font autre que vous portez, parce qu'ils ont une telle densité que bon, ben, vous n'avez qu'à les laisser dérouler. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de...
malgré voilà, toutes les, comment ça s'appelle, les directions multiples et variées que ça peut prendre. Hein. Donc voilà, bah écoutez, donc on va tous se souhaiter un bon été, donc on se revoit cet automne. Donc je propose qu'on reprenne début octobre, hein, parce que comme ça, bon, le temps que ça redémarre en septembre à la fac, hein, on peut voir. Enfin, maintenant, si vous voulez qu'on en fasse une fin septembre, moi ça ne me gêne pas, mais je pense qu'avant le 15 septembre, il ne faut pas, parce que bon, je pense qu'il faut un peu se remettre un peu. Enfin, bon, au labo aussi, on est un peu, voilà. Mais donc très très volontiers, et on peut, si on veut, reprendre sur ce rythme-là, enfin, si ça vous dit. Si ça... Après, bien entendu, donc, ce soir, j'ai enregistré, je n'ai pas oublié, donc ça va pouvoir être mis en ligne incessamment sous peu. Voilà. Je pense que normalement, ça doit marcher dans la semaine, hein, parce que c'est très rapide. Donc, encore merci à vous, parce que... Bon, merci beaucoup. L'intérêt de vous témoigner à ça, moi, ça me fait drôlement plaisir. Les prochaines dates de... Alors, ben, il faut qu'on les fixe au labo avec Sylvie au CTEL. Donc, on va regarder ça. On va discuter ensemble. On va voir. Et de toute façon, moi, après, dès que j'ai, je les mets sur ma page. Mais on les met aussi sur le site du labo. C'est-à-dire CTEL, qu'est-ce que c'est notre site déjà ? Enfin, c'est le site du CTEL de l'Université Côte d'Azur. Donc, si vous allez sur le site du CTEL, on suit la... ben, je vous enverrai le lien, Myriam. On suit toutes les... Tout... Enfin, on a beaucoup de choses. Il n'y a pas que les conférences. Là, on a des activités très intéressantes au labo. Et il y en a beaucoup qui sont en ligne. Donc, oui, Myriam demandait, là, si ça... je dis qu'il faut qu'elle aille voir sur la... Oui, si on s'arrête... Pardon, je préfère santé. Voilà, non, je disais pour avoir les dates des conférences, je dis ben, il faut demander avec Sylvie et voir sur le site du CTEL. Après, moi, je le répète. Oui. Percute. Oui. On va faire oui. ça, on va être ça au point avec Sylvie. En nous ne prenons pas les pieds s'il y a déjà des choses de notre programme qui sont disponibles. Hein. Donc, je ne veux pas que ça télescope avec autre chose. Donc, on va peut-être pas pouvoir le faire tout de suite, mais il n'y a aucun problème. On annonce à l'avance. Hein. Donc, voilà. Donc, il y a le site du CTEL, il y a mon site et il y a la page Facebook où Corinne répercute, puisque oui. je ne suis pas sur Facebook. Mais bon, donc voilà. Il y a quelques événements qui sont annoncés aussi sur la page Facebook des doctorants du CETEL. Voilà, donc là, ça vaut le coup d'y aller, franchement. Hein, voilà. Hein. Voilà, donc il y a aussi des éléments. Aussi, voilà, hein. Sur, parce que vraiment, comment dire, on a beaucoup d'activités dans le labo. On fait des choses intéressantes, donc ça vaut le coup voilà, hein, d'aller voir un peu de comment on fonctionne, tout ce qu'on fait. Et on est, voilà. On est petit mais costaud. Quoi. C'est ça. C'est je ne sais plus quoi, mais voilà, on est comme ça. Mais écoutez, un très très grand merci. Et donc, c'est à toi. C'est bon été à tous. Voilà. Ben, on se revoit jeudi, on dit même pour d'autres aventures, comme dirait-il. Voilà. Merci donc, encore. Merci. Et, voilà. et n'hésitez pas, si vous avez des idées de sujets, de conférences, de trucs sur lesquels vous voulez qu'on revienne, voilà. Hein, ça sera très très volontiers. Voilà, merci encore. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Un grand merci. Merci. Au revoir.